chien le nien abokono mo bi unene maria mon chien le nien abokono mo bi utene maria mon gamu pienya abokono tene matene yo mon gamu pienya abokono nene matene yo mitosi mani pele de meyo besi wa mi de me Amisi jo begita yelena yo Ya ya de me Mino si mani pele kwari yo Besi wo mi kwari Amisi jo begita yelena yo Ya ya de me Muwapia nene wa muwo unene Muwapia wa muwo uwa Muwapia te wa muwo ute Muwapia wa muwo uwa Miaya, koro mi joya piri. Miaya, ujoya yedeme. Miaya, koro mi joya piri. Miaya, ujoya yedeme. Na nyuane de sale la o
Mami mali yuni makala na nyane desa lula o na o. You only come out dreaming, say. You only.
Show me the way I can go. Take me by the end. Notre député maire, monsieur Camara Thomas. Également, le président de la mine de Comète est là, sans oublier le vice-président Ouattara Yakou. Merci beaucoup à vous, chères autorités. Il faut le dire, ces autorités, depuis le début, sont avec la mine de Com. Hier, ils étaient là. Aujourd'hui, malgré la fatigue, ils sont venus à la mairie d'Abobo, surtout à la mairie de Katiola. Écoutez, excusez. Voilà, je pense bien que lorsque la population est là, lorsque ce beau public est là, jamais les autorités vont nous dire qu'elles sont fatiguées. Merci à vous, cher papa. Merci beaucoup. Merci pour cette détermination. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.
Martin Frigola. Plus de 80 cas étudiés cette année. En moyenne, plus de 10 pages recto-verso par cas, ce qui globalement nous amène à un peu plus de 1000 pages A4 étudiées. Je n'ai pas dit lu, je dis étudié. C'est-à-dire qu'ils ont certainement lu 3 ou 4 fois chacun des cas, ce qui nous amène à près de 4 à 5000 pages. Tout ça pour rejoindre un réseau de 1500 alumni, c'est-à-dire déjà diplômés rien que pour la Côte d'Ivoire. Mais ceci est mis en œuvre par qui? Par l'ISC Business School de Barcelone. Et l'ISC, c'est 54 000 alumni dans le monde entier, 5 campus en direct. Barcelone, Madrid, Munich, New York et Sao Paulo. C'est dans cette grande famille mondiale, que vont entrer dans quelques instants nos futurs diplômés AMP. C'est une promotion un peu spéciale cette année. Une promotion qui est issue 38 comprend 10 dames, et ce pour la première fois depuis le début de l'AMP. Et donc voyez-vous, formation spéciale, réseau spécial mondial, promo spécial, je suis sûr que nous allons aujourd'hui avoir une cérémonie. Invités de vous lever pour accueillir avec des ovations nourries la promotion AMP 2022 qui va nous rejoindre. Les AMP 2022 font leur entrée dans la salle. Cette fameuse écharpe qui a maintenant fait le tour du monde. Nous allons à présent pouvoir véritablement commencer. Je vais inviter tous ceux qui le peuvent de partager le direct sur les réseaux sociaux qui sont les siens, Facebook, YouTube et autres, parce que
Nous sommes également ici en Mondovision. Et il faut faire partager. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le maire, monsieur le ministre, chers invités, mesdames et messieurs, les académiques de MD Business School, je vais d'entrée de jeu vous présenter donc le programme de cette cérémonie. Je vous ai dit qu'elle allait être très spéciale. Elle a déjà commencé. Alors, tout à l'heure, nous allons avoir une série de la remise des certificats et surtout de cette fameuse écharpe, comme je l'ai dit là, qui a fait le tour du monde et que nous allons encore voir ce matin. Suivra, pour les accueillir dans la grande famille, suivra donc le discours du président des alumni, des témoignages des participants, suivi du discours de la présidente de la promo, une promo spéciale avec 10 dames. Et puis ensuite, nous allons faire quelques photos de famille pour garder des souvenirs. Et nous allons allègrement aller vers la fin de cette cérémonie avec un superbe cocktail qui vous est donné par MDE Business School. Nous allons donc démarrer la série des allocutions. Le premier est le premier de la commune, il est le maire, mais je n'oublie pas également que, encore tout récemment, il vient d'être élu président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, et j'avais oublié. Merci pour vos applaudissements. Et au lieu de dire Monsieur le maire, je vais dire Excellence Monsieur le maire, parce qu'il est en même temps diplomate et consul du Mexique. C'est pas rien, encore des ovations. Alors je vais inviter Monsieur le maire, c'est sa commune, il la maîtrise mieux que moi, il sait comment arriver ici sous vos ovations. Mesdames et messieurs, d'abord bonjour, excusez-moi dans la précipitation, comme a dit Abia, il n'est pas plus de discours. Monsieur le ministre Belenet, madame, cher aîné, monsieur le directeur général de MDE Business School et cher promotionnaire, parce que maître, on est de la première promotion quand même, monsieur le président des alumni, mesdames et messieurs les récipiendaires, mesdames et messieurs, chers invités et parents des récipiendaires, c'est un plaisir pour moi, au nom du conseil municipal de Cocody, à mon nom personnel, de vous recevoir dans cette commune, dans cette salle mythique, dans cette commune où il fait bon vivre. Je vous demande de vous ovationner, vous tous, parce que nous sommes à Cocody. Vous souhaitez d'abord la bienvenue parce que ça nous rappelle beaucoup de choses. Moi-même, puisque je suis un alumni, je suis de la première promotion de AMP 2011. Et je vois beaucoup de gens ici avec, mais je sais que la nouvelle promotion qui va sortir aujourd'hui, vous n'avez pas eu ce privilège d'avoir le sourire gabalistique avec nous, qui était la présidente d'alumni pendant un moment, la sœur Gabala. Donc, vous remerciez et féliciter les uns et les autres pour ce passage, parce que je sais que MDE ne fait que donner, ne fait que produire des hommes de qualité, des hommes de valeur. Et lorsque j'ai vu que la cérémonie se déroulait ici, et en montant, j'ai vu la qualité des hommes qui étaient à l'entrée et attendaient pour faire leur entrée avec toute la famille qui les attendait, je dis, c'est normal. C'est normal que cet événement se passe ici, dans la salle du Palais des Congrès. Et j'espère que vous avez passé une année merveilleuse. Et
je ne vais pas être trop long. Je vais seulement vous dire félicitations au nom du conseil municipal et à mon nom personnel à tous les graduates. Que le Seigneur puisse vous accompagner dans votre nouvelle mission, parce que vous avez la mission de regrouper tous les alumni. Vous avez la mission de renforcer cette grande famille des AMP qui nous permettra de toujours sortir non seulement la Côte d'Ivoire, notre pays, et nous permettre de rayonner, parce que vous, nous sommes des hommes de valeur, des hommes d'honneur, et que c'est ensemble et c'est dans cette cohésion que nous pourrons rétablir les valeurs et de la Côte d'Ivoire et de nous tous ici présents. Donc félicitations encore, félicitations à la direction générale, félicitations aux formateurs, et que le Seigneur vous bénisse et que cette cérémonie soit belle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Rétablir les valeurs pour la Côte d'Ivoire et rétablir les valeurs pour nous-mêmes. Très bien dit, Monsieur le maire. Diplômé AMP 2011. Et c'est un autre diplômé AMP 2011 qui va suivre, Maître Ernest Olaé. Il est le président de MDE Business School, président du groupe IHE Afrique, qui supporte. Sous vos ovations, s'il vous plaît, Maître Olaé Ernest AMP 2011, président. Ce ne sera pas facile pour le protocole, mais pardonnez-moi mes erreurs. Si je n'ai pas pu citer dans l'ordre normal ou déterminer la personne indiquée. Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Monsieur le représentant de la ministre de la Formation publique. Madame la première secrétaire de l'ambassade du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Monsieur le professeur Yitin Lee, représentant l'ISC de Barcelone, qui suit et participe avec nous à cette cérémonie depuis Barcelone grâce à la technologie visioconférence. Monsieur Nabil Adjani, président des alumni M2 Business School. Monsieur le directeur général de M2 Business School, Martin Frigola. Madame la présidente et chers impétrants de la chaleureuse et joyeuse promotion de l'Advanced Management Programme AMP 2022. Oui, vous avez le droit de vous acclamer. Honorables invités, mesdames et messieurs, monsieur le maire, premier magistrat de la commune, vient de nous souhaiter la bienvenue dans sa commune des rêves. Et en même temps, il nous demande les nouvelles du jour. À mon tour, et avec votre autorisation, je voudrais donner les nouvelles. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ce jour exceptionnel du 22 octobre 2022, jour de joie et d'allégresse, jour également chargé d'intenses émotions pour la grande famille de M2 Business School. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier Monsieur le maire Jean-Marc Yassé pour la bienveillante attention qu'il accorde à notre cérémonie en honorant de sa présence effective l'événement qui nous rassemble ce matin.
Honorables invités, chers parents, amis et connaissances, collègues, je vous adresse mes chaleureuses salutations et mes vifs remerciements pour votre présence remarquable dans cette splendide salle du congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à l'occasion de cette cérémonie de graduation de la 12e promotion du programme Advanced Management Program AMP 2022 de M2 Business School. Je me permets aussi de faire un petit rappel historique avant de poursuivre mes propos. En 1946, un homme, tout nouveau député de la Côte d'Ivoire, prit un audacieux pari, celui de doter rapidement son pays de cadres compétents, capables d'animer l'administration publique après l'indépendance de notre pays. Cet homme, Félix Houphouët-Boigny, organisa le voyage de 148 futurs cadres ivoiriens à destination de l'Europe pour y recevoir la formation et le savoir qui leur permettrait de contribuer au développement de la future République de Côte d'Ivoire. Le 22 octobre 1946, le jour du grand départ de ces aventuriers a été concrétisé. Alors, ce rappel, quel sens révèle-t-il pour nous à l'occasion de cette cérémonie de ce jour? J'en dénombre deux. Un pour M2 Business School et un pour la grande promotion AMP 2022. Après donc ce rappel, il est acquis de façon incontestable que la formation est l'un des piliers, l'un des moyens incontournables pour parvenir au développement d'une nation, d'une famille, d'une entreprise. Et donc, M2 Business School n'a pas eu tort de mettre en place ce moyen de formation à destination des entreprises, des dirigeants de notre pays. En 2003, des cadres se sont réunis. Nous étions dans la période de guerre, nous nous souvenons tous. Soucieux de l'avenir de nos enfants, nous avons pris la décision de créer une organisation qui serait chargée de faire la promotion de la formation pour nos cadres, pour nos dirigeants. Nous n'avons pas eu tort quand je rappelle tout à l'heure ce que le fondateur, le père de la nation, Houphouët-Boigny, a eu comme idée pour la promotion de ses cadres. Mais je voudrais tout simplement rappeler que ça n'a pas été facile. Il y a eu des difficultés. Des difficultés au plan économique, au plan social, culturel. Nous n'avions pas de moyens. Que fallait-il faire? Voici que le projet est devenu un problème dans notre main. Mais ça nous a permis de cultiver certaines valeurs, certaines vertus. Et moi, j'ai appris à prier. J'ai connu ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire croire fermement que nous pourrons réussir. Et tous ensemble, nous avons conjugué nos efforts pour parvenir à monter quelques petits programmes, pour faire des séminaires de courte durée, des formations de courte durée. Et grâce à ces performances, nous avons pu trouver une solution au plus gros problème qui se posait à nous, à savoir trouver un partenaire de renommée internationale capable de nous accompagner dans la réalisation de ce rêve. En 2010, nous avons pu trouver ce partenaire qui est l'IEC Business School de Barcelone, une école de renommée internationale qui a fait ses preuves, comme il a dit tout à l'heure le maître de cérémonie, en matière d'executive education.
Nous remercions donc l'IEC de nous avoir permis de commencer notre rêve, de débuter notre programme qui a commencé par le programme Advanced Management Programme AMP. En 2011, ce programme a été lancé, introduit en Côte d'Ivoire, et parmi les participants, tout à l'heure, il s'est lui-même décliné. Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, alumni AMP 2011 et bien d'autres qualités que je vous reconnais. Il y a aussi parmi nous le ministre Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a accepté d'être parmi les aventuriers. Madame Dao Gabala, la sénatrice, son absence nous prive du sourire gabalistique. Et donc, nous avons mené cette aventure, nous avons commencé. La graduation a été effective pour cette promotion de AMP 2011. Et depuis cette date, nous n'avons pas abandonné le projet, nous l'avons poursuivi jusqu'à ce jour. À ce jour du 22 octobre 2022, qui marque la graduation de la 12e promotion de notre programme Advanced Management Programme, je voudrais avec vous acclamer, féliciter et nos impétrants du jour. C'est un programme de standard international, enseigné dans les plus grandes écoles d'affaires du monde. Par le passé, tous les cadres devraient se rendre en Europe et partout ailleurs pour apprendre, pour être formés à ce programme. Aujourd'hui, la formation est venue à nous. Grâce à M2 Business School, ce programme est dispensé ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en deux parties. Une première partie à Abidjan et une deuxième partie à Barcelone, à l'IEC. À cet effet, il n'est pas aisé d'organiser les voyages, nous le savons tous, avec les questions de visa. Mais l'ambassade du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire nous a toujours aidés et nous a facilité les démarches. C'est pour cette raison que je voudrais que nous disions un grand merci à Madame la Première Secrétaire de l'ambassade du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. À part l'ambassade, il y a d'autres personnes aussi qui nous ont aidés, des personnes morales, des personnes physiques. Il ne sera pas aisé de citer tout le monde. Mais je voudrais déjà me tourner vers le corps professoral de M2 Business School qui n'a pas ménagé d'efforts pour soutenir le programme, donner l'enseignement qu'il faut. Également, merci à notre équipe, notre vaillante équipe de M2 Business School. Nous savons tous les efforts qu'ils déploient pour l'organisation de nos enseignements et de nos cérémonies de graduation. Recevez mes félicitations, chers amis. Les journalistes aussi nous ont accompagnés. Journalistes ivoiriens, journalistes étrangers, organes de presse. Nous avons été accompagnés avec les bons reportages qui ont permis que nous soyons toujours bien vus sur la plateforme. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous êtes importants pour nous. Votre présence nous réjouit et de ce point de vue, nous allons vous dire merci et vous demander de continuer aussi de nous soutenir tous les jours parce que c'est un rêve, c'est un gros projet. Sans moyens, nous ne pouvons pas continuer. Évidemment, je ne vous demanderai pas de cotiser ce matin dans cette salle, mais je voudrais simplement vous signaler que nous avons des besoins en ressources humaines, nous avons des besoins en finances et dans bien d'autres cas. Votre soutien nous permettra d'avancer. Enfin, nous avons besoin aussi de soutien des alumni, des anciens de l'école
dont le président est là ce matin, et certainement, Monsieur le Président, vous allez, dans votre programme de cette année, mettre un accent sur la construction de notre campus. Tout est prêt. Martin a déjà arrêté tous les plans. Il nous manque des moyens financiers pour avancer. Et vous êtes chargé, Monsieur le Président, de nous aider à commencer. Chers amis, de la 12e promotion AMP 2022, je réitère encore mes remerciements pour le choix que vous avez fait de venir à M2 Business School pour le renforcement de vos capacités. J'ai fait un rappel historique tout à l'heure en indiquant la date du 22 octobre 1946 qui marquait le départ des aventuriers. Aventure 46. Aujourd'hui, 22 octobre, évidemment, pas 1946, 22 octobre 2022, vous aussi, vous êtes là pour recevoir les parchemins après 10 mois d'aventure passée avec M2 Business School. Vous êtes désormais des pionniers de la formation qui transforme l'homme, qui transforme nos entreprises et qui transforme nos nations. Recevez mes félicitations. Soyez unis à nos anciens de 1946 dans la joie qui les anime aujourd'hui, qui est leur jour anniversaire, et dans la joie qui vous unit aujourd'hui dans cette cérémonie de graduation. Vous êtes devenus des apôtres, mes chers amis. Vous êtes une promotion spéciale, comme il a dit tout à l'heure, le maître de cérémonie, avec beaucoup de femmes, avec un couple aussi, Monsieur, Madame Jean-Luc Bédier, qui sont décidés de venir faire l'école ensemble. Cela mérite applaudissements. Et maintenant, je ne peux que vous souhaiter bonne chance et vous demander d'être les ambassadeurs chargés d'annoncer à tout le monde qu'ici en Côte d'Ivoire, il existe une école, une business school, M2 Business School, qui distribue des talents. Des talents permettant à chacun d'entre nous de connaître une transformation. Des talents qui permettront d'apporter le développement dans nos familles pour créer des foyers joyeux, lumineux, exemplaires. Des talents qui permettront de développer la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Encore des applaudissements pendant qu'il a... des talents qui vous permettront de vous transformer, des talents qui permettront de transformer la Côte d'Ivoire, des talents qui permettront de transformer l'Afrique. On en a besoin. Merci, Monsieur le Président, pour ce rappel historique de l'aventure 46. Merci également du rappel de l'aventure de M2 Business School et des salutations toutes particulières à l'ISC qui permet à ce programme de s'intégrer dans un programme de haut niveau international. Pour rappel, il faut savoir que l'ISC, c'est pendant 6 ans l'école classée à la première position mondiale en termes d'executive education. Classement par le Financial Times, s'il vous plaît. Alors, nous allons recevoir le directeur général. Il est ingénieur agronome de profession. Il est diplômé AMP 2012. C'est notre cher Martin Frigola que je vous demande d'ovationner. C'est lui qui dirige toute cette équipe qui permet la transformation dont parlait le président tout à l'heure. On va applaudir Martin jusqu'à ce qu'il arrive ici. Merci encore.
Monsieur Jean-Marc Diassé, maire de Cocody, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur du Liban, Madame la première secrétaire de l'ambassade d'Espagne, Monsieur et Madame le représentant du ministre, honorables invités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, chers alumni de M2E Business School, chers AMP 2012, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Je voulais commencer par vous féliciter. Vous êtes les magnifiques. Vous avez travaillé sérieusement et vous avez constitué une famille. Et en tant que famille, vous avez su fêter aussi. Félicitations. La graduation 2022 est une bonne occasion pour faire un bref bilan des principales nouveautés de l'année à M2E. Après un long processus de préparation et avec plusieurs professeurs de IES Business School, nous avons lancé le programme pour le conseil d'administration. C'est une grande étape pour M2E. Depuis la création de M2E, nous pensons avoir contribué à perfectionner le management de nos plus de 1500 alumni. Même si le sujet est abordé dans nos programmes longs, le gouvernement se focus sur le gouvernement des organisations. Nous espérons par là contribuer davantage à la solidité et à la pérennité des entreprises. Ces formations sont couplées avec une ligne de recherche dans le gouvernement des entreprises que nous sommes en train de commencer. 2022 a été aussi l'année durant laquelle le PLD, Programme for Leadership Development, a commencé une deuxième classe. Ce fait confirme que les entreprises sont de plus en plus conscientes du besoin de former leur personnel. Dans le secteur de l'administration publique, nous avions franchi un grand pas en 2018 avec le lancement avec l'École nationale d'administration publique du Québec du Public AMP. Ce mois d'octobre 2022 a marqué une autre étape importante avec la signature d'une convention avec le ministère de la fonction publique pour la formation de haut cadre sur une période de 3 années. M2E espère ainsi apporter une contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Je tiens à féliciter toutes les équipes de M2E pour ces grandes étapes, conseil d'administration, nouvelle classe de PLD, convention avec le ministère. Bravo pour ce travail. Je pense qu'il faut les applaudir. Et continuons à construire le futur, changer le présent, c'est notre devise. L'année a été marquée également par le renouvellement du comité exécutif des alumni. Je félicite Nabil Ajami pour son élection à la présidence des alumni et j'encourage l'équipe a continué l'enrichissement des activités des alumni de M2E. Parmi les activités des alumni, cette année a été marquée par la reprise, après l'interruption de la COVID, de la grande journée d'accueil de nouvelles promotions. L'effet marquant est que cette journée, nous l'avons passée sur le terrain de Aquedo, qui abritera le siège de M2E. La journée a été vraiment splendide. Félicitations aussi à tous les organisateurs. Cher AMP 2022, votre AMP ne finit pas aujourd'hui, malgré ce que vous pouvez penser. Parce que, en plus des activités en tant qu'alumni, vous avez une mission, un grand défi dans les prochains mois. Et vous avez peu de temps. Réussir à constituer une promotion 2023 que vous encadrerez et qui sera une promotion non pas magnifique, mais super magnifique. Parce que
la qualité de bon manager est de former des personnes meilleures qu'elles-mêmes. Je sais que vous révélerez le défi. Félicitations d'avance. Je vais finir en m'adressant également à vos familles, vos entreprises, vos collègues, tous ceux qui ont contribué au succès de votre parcours. À tous, je vous dis merci de la part des AMP 2022. Vive la magnifique promotion 2022. Je vous remercie. Respectueusement, et vous demander de saluer également la présence du ministre Bleu Lenné et de madame Bleu Lenné. Nous allons à présent écouter le professeur Yi Tin Lee. Ceux qui sont allés à Barcelone ont eu l'occasion d'apprécier le professeur Yi Tin Lee. Et nous allons l'écouter par visio depuis Barcelone. Je vais demander à nos amis de la technologie de faire passer son message. Mais comme il est avec nous par la technologie ce matin, je vais également vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Chez nous, la septième. Je tiens à vous dire ma fierté et ma sincérité au nom de l'IEC et de son directeur général à l'occasion de la cérémonie de graduation de votre commission. Une cérémonie de graduation est un événement très spécial. Pour vos participants, incluant des mois de dur labeur pour nos institutions IEC et NDRBSP, c'est le moment où nous voyons la grande famille de harmonie de l'NDE et réseau des écoles associées à l'IEC s'agrandir avec le nouveau ambassadeur. Vous. Vous pouvez être fier de vos travaux, de vos efforts et de la formation reçue à NDE plus. Tous les professeurs intervenants de l'IEC sont unanimes. Vous avez beaucoup et bien travaillé. Nous saluons la qualité de la préparation des cadres, de vos interventions, de vos contributions enrichissantes. Voilà. Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à l'égard de l'ensemble des membres de vos familles pour le soutien qu'ils vous ont apporté tout au long du programme. À vos épouses et épouses, à vos filles et fils, à vos frères et sœurs, ainsi qu'à chaque personne qui vous êtes chers et sans qui vous, chers participants, ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Je tiens également à remercier l'ensemble du staff de NDE Business pour l'excellent travail et pour la poursuite de la mission éducative qui est très chère à l'IEC. Cette mission, qui vous a été mentionnée plusieurs fois, je vais vous la rappeler de nouveau. Et consiste à participer à la formation et à la transformation des cadres pour que vous ayez un impact positif et durable dans votre entreprise et par-dessus tout dans votre pays. Et ce, en faisant preuve de professionnalisme, d'intégrité et d'esprit de service. Nous sommes convaincus que pour atteindre cette mission, il faut participer au développement de la connaissance et du savoir en s'associant à d'excellentes écoles africaines comme la vôtre et à des entreprises proposant des projets de recherche en phase avec la réalité africaine et locale. À NDE, votre devise est de construire le futur et changer le présent. Nous constatons que l'IEC et NDE
Merci à la régie qui est réactive. Je voudrais saluer le ministre Ali Koulibaly qui nous a rejoint et qui est conseiller spécial du président de la République, mesdames et messieurs. Je voudrais également saluer M. Ouattara Tenien Eric, qui représente le ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, diplômé AMP 2011. Et je voudrais saluer M. Loko Ibrahim, représentant le ministre de la Fonction publique. La Fonction publique qui vient d'entrer en partenariat de formation avec MD Business School pour relever de manière plus forte le niveau de notre administration. Et ça se salue. La vision est grande. Nous allons écouter le directeur général adjoint de MD Business School, M. Guillaume Fandinou, diplômé AMP 2011, mais surtout directeur du programme AMP. Il va s'adresser à nous et ensuite il va conduire la cérémonie de certification et de labellisation. Et c'est juste après lui que nos impétrants seront des diplômés. Et je suis sûr que vous allez les remarquer. Ils seront un peu plus beaux dès le passage de Guillaume Fandinou. Sous vos acclamations, Monsieur Guillaume Fandinou, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, Excellence, Monsieur le ministre Gilbert Bleu-Lenné et Madame, Madame, Excellence, l'ambassadrice du Liban accréditée auprès de la République de Côte d'Ivoire, Madame le premier conseiller représentant l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Monsieur le président de MD Business School, Monsieur le directeur général de MD Business School, Monsieur le président de l'Association des alumni de MD Business School, Messieurs les impétrants, Mesdames et Messieurs les impétrants de la 12e promotion AMP 2022, honorables membres du corps professoral de MD Business School, Mesdames et Messieurs des familles, honorables invités, tout protocole respecté. Nous voici rendus au terme du programme AMP 2022 et nous voudrions à notre tour, à la suite donc de notre hiérarchie, remercier de façon générale toutes celles et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre l'ont rendu possible. Remercier en particulier nos partenaires de l'ISC Business School de Barcelone et des Business School associés, représentés ici parmi nous par le truchement de la technologie, par le professeur Yitin Li qui nous a fait une belle adresse. Remercier la présidence et la direction générale de MDE Business School pour leur appui constant au développement de nos différents programmes de renforcement de capacités. Remercier tout spécialement le corps professoral, aussi bien ceux venant de l'international que ceux d'Abidjan, pour la grande qualité de leurs enseignements, leurs expertises de très haut niveau, leur total engagement et leur sens avéré du professionnalisme qui nous ont permis d'atteindre les objectifs académiques et scientifiques particulièrement ambitieux dévolus à ce type de programme de formation pour dirigeants. Et nous vous prions de bien vouloir les ovationner très fort, le corps professoral. Véritable créateur de valeur au sein des business schools. Nous associons à ces chaleureux remerciements les familles des participants au programme. Chères familles, votre soutien et votre présence
aux côtés des impétrants de ce jour, tout au long du programme et encore ce matin, dans cet auditorium du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, sont pour beaucoup dans leur réussite. À ce jour, votre présence parmi nous nous fait chaud au cœur et vous méritez, très chère famille, nos ovations aussi pour votre présence et votre soutien. Nous remercions tous nos amis et fidèles compagnons de toujours de la presse, dont l'appui ne nous a pas fait défaut et qui continue avec constance à relayer le développement de nos activités. Merci à tout le back-office de MDE, inlassable travailleur de l'ombre, pour toutes les diligences accomplies pour le bon déroulement du programme et pour l'organisation de cette cérémonie à des heures relativement tardives hier, en parfaite synergie avec les membres de la promotion AMP 2022. C'est une synergie remarquable. Autrefois linéaire et prévisible, notre monde se caractérise de plus en plus par la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. De nouveaux paradigmes apparaissent, les défis sont de plus en plus complexes et requièrent des dirigeants de développer de nouvelles habiletés pour faire preuve, en leur permettant de faire preuve d'agilité pour penser global et agir en parfait stratège avec des critères éthiques et un sens de responsabilité sociale et sociétale. Pour pouvoir relever ces défis des temps nouveaux, une possibilité de choix qui s'offre aux dirigeants, c'est de participer au programme AMP, Advanced Management Programme, organisé conjointement par MDE Business School et la prestigieuse ISC Business School de Barcelone. L'Advanced Management Programme est une expérience d'apprentissage efficace et transformatrice qui accélère le processus de développement du leadership du dirigeant, lui permet d'améliorer de façon notoire son processus de prise de décision et renforce ses connaissances pratiques en lui offrant une opportunité exceptionnelle de développement aussi bien personnel que professionnel. Du marketing à la stratégie, en passant par la finance, l'éthique, l'économie, le management des opérations, ce sont près de 180 heures de cours et près de 80 cas réels d'entreprise qui ont été étudiés durant tout ce programme AMP 2022 sur pratiquement 9 mois. Le maître de cérémonie a donné un peu la volumétrie en nombre de pages que ces personnes-là ont dû étudier durant toute cette année. Ces dirigeants que vous voyez ont travaillé très très dur. Ils ont passé des nuits blanches à étudier, au grand étonnement de leur famille, de leurs enfants qui disent « Mais papa, maman est en train de bosser », comme s'il allait à l'école encore. Ils méritent donc amplement cette belle cérémonie de graduation et vos ovations. Honorables invités, si ces mots que nous venons de prononcer font écho dans votre réflexion, alors c'est peut-être l'amorce d'une future participation de votre part à ce prestigieux programme. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger à ce sujet. Très chers impétrants de l'AMP 2022, je vais maintenant m'adresser à vous. Nous sommes réunis ici en ce jour mémorable du samedi 22 octobre 2022 pour célébrer votre mérite personnel et collectif au travers de cette cérémonie de graduation. Je voudrais me remémorer cette grande et belle aventure que nous avons eue en partage cette année et à la vérité l'émotion m'étreint, de sorte que je ne sais même pas par quel bout commencer. Vous allez peut-être m'aider. Entamé de plein pied à la vérité au mois de mars, vous avez tout de suite été confronté à la rigueur de notre organisation et à nos pratiques qui peuvent parfois sembler un peu bizarres. Mais vous étiez solidement encadré par vos moniteurs de la promotion AMP 2021 qui vous ont si bien coaché pour bien maîtriser les rouages du programme. Et vous avez aussitôt pris le pouls de la situation pour être à la hauteur. Un grand merci à ces moniteurs qui ont été Sally,
Tatiana, Modeste, Mamadou et Guy Serge, les fabuleux de la promotion AMP 2021, pour leur encadrement en tant que moniteurs. Parfois, le doute a semblé s'installer devant l'épaisseur sans cesse croissante des classeurs, avec les multiples cas, notes techniques, les incessants QCM et leurs dates de péremption, les réunions Zoom, les évaluations, le point des retards, des absences, le contrôle de l'assiduité et que sais-je encore. Mais vous ne vous êtes pas laissé abattre par l'étendue de la tâche. Bien au contraire, vous avez su avec brio relever le défi académique pour être chaque fois prêt. Soyez-en chaleureusement félicités. L'élection de vos chefs d'équipe a ponctué la mission des moniteurs auprès de vous en présentiel. Le relais a été si bien fait que l'osmose transparaissait déjà au sein de chacune de vos différentes équipes. Vous avez tellement su incarner des valeurs comme l'altruisme, l'humilité, la solidarité agissante, la convivialité, l'humour et j'en passe, à telle enseigne que nous nous sommes demandé si vous ne vous connaissiez pas déjà avant. La session de Barcelone a été un summum de satisfaction avec le grand sérieux avec lequel vous l'avez préparé et abordé et l'esprit de famille uni et soudé qui vous a habité, dont une des manifestations a été sans nul doute les superbes uniformes que vous avez confectionnés pour marquer votre touche distinctive. Bravo à tous. Ah, si Barcelone m'était compté. Mais les affaires de Barcelone... Ah, je n'ai rien dit. Barcelone, véritable révélateur de talents insoupçonnés dans la promotion. À l'analyse, vous êtes 38 personnes, dont 10 dames. C'est le plus gros effectif à ce jour de nos promotions AMP. Dix dames sur 38. La plus forte proportion des dames jamais enregistrées dans nos programmes AMP. Bravo, bravo, bravo aux dames. Ceci a valu une belle élection qui a apporté à la tête de la promotion comme présidente une dame, Caroline Bamba, ici présente. Et comme vice-président, Raymond Bleu l'aîné. Vous constituez une belle mosaïque savamment équilibrée au niveau du genre, de la pyramide des âges avec les doyens, les jeunes, et puis ceux qui sont au milieu. Ils ne sont pas doyens, ils ne sont pas jeunes, mais ils sont au milieu. Trois catégories dans la pyramide des âges. Une belle pluralité des secteurs d'activité et des backgrounds aussi divers que variés. Nous sommes en admiration de cette belle famille AMP 2022, où se côtoient les Seven Stars, les ambassadeurs, les snipers, les magnifiques, les généraux, les colonels, les sapeurs, les petits piments, et que sais-je encore. On va dévoiler un peu nos petits secrets. On se sent à la réalité bien avec vous. Et ceci a prévalu dans toutes les sessions du programme. Si je n'en juge que par l'ardeur avec laquelle ces sessions se sont déroulées, mais cette volonté sans cesse croissante de vite se retrouver pour la prochaine session. J'ai entendu un d'entre vous dire, ici à l'AMP, on se sent bien. J'ai plaisir à revenir chaque fois ici. Et ça, c'est apporté à votre crédit. Vous avez pris un pan de l'activité que nous avons développée dans ces programmes, qui est de dire que des dirigeants ne peuvent pas se rencontrer pendant tout un programme et puis se séparer sans se connaître, sans faire du réseautage. Ainsi, depuis 2020, on a institué les after-work pour que vous connaissiez mieux entre vous. Mais avec les after-work que vous avez organisés, vous nous avez littéralement baladés à travers le monde par des décorations et des sonorités à couper le souffle, du jamais vu dans notre histoire. Zina, merci. Merci, merci Zina.
Merci Gina, merci, merci, merci. Avec vous, le grand masque Zaouli a pénétré dans l'antre de l'amphi de MDE, symbolisant ainsi le nécessaire trait d'union entre nos valeurs culturelles fortes et notre réflexion et action profonde dans le modernisme. Merci d'avoir illustré ce trait d'union. Les fabuleux de la promotion AMP 2021, promotion d'exception, avaient mis la barre très haut l'an dernier, symbolisant quasiment un plafond de verre, quasi infranchissable. Mais je dois l'avouer, vous avez allègrement franchi ce plafond de verre. Vous avez allègrement franchi ce plafond de verre pour mettre la barre encore plus haut. Le défi est lancé à la promotion AMP 2023. En franchissant ce plafond de verre, on peut véritablement dire que l'élève a dépassé le maître. Mais c'est tout à l'honneur du maître, parce que l'objectif du maître, c'est que l'élève le dépasse. Donc bravo aux AMP 2021 d'avoir impulsé ce mouvement. Le programme est arrivé à son terme. Toute chose a une fin. L'heure a sonné pour nous, au sein de l'équipe d'encadrement, de nous retirer. Je vous assure, vous ne recevrez plus nos nombreux mails, WhatsApp, SMS, pour vous rappeler qu'il y a la session tel jour, pour calculer votre taux d'assiduité et tout ça. Ces mails qui émanaient à la vérité de l'équipe, mais ce n'est pas forcément de moi. Il y a Mireille et puis Evelyne, qui sont tellement dévoués et efficaces, qui nous ont bien fait entrer dans ce programme. Notre rôle au sein de l'équipe d'encadrement est d'être des catalyseurs dans l'ombre pour vous aider à briller au grand jour. Et nous pouvons l'affirmer en vous regardant que vous brillez littéralement à nos yeux. Je vais donc appeler à ce podium la belle équipe que j'ai eu l'honneur de servir et qui a encadré le programme en la personne de Evelyne Kofi, de Mireille Kadio et de Evelyne Jari sous vos ovations. Dans l'équipe d'encadrement, nous sommes 4, je suis le seul homme, 3 dames. Et voilà pourquoi les choses ont bien marché. À Barcelone, quand nous sommes partis, c'était une équipe aussi de 2 dames qui nous ont reçus au niveau de l'ISC. Et au niveau de l'hôtel, c'est la charmante dame Maria qui nous a encore accueillis. Vraiment, AMP 2022, les femmes ont pris le pouvoir. C'est la synergie de toutes ces compétences discrètes, efficaces, engagées, qui nous a permis le bon déroulement du programme. Ce n'est qu'un au revoir, très chers impétrants de l'AMP 2022. Bon vent à tous dans vos différents challenges, dans vos différents défis. Tout le meilleur. Vous êtes des marques. Laissez vos empreintes dans tous les milieux de vie où vous êtes et où vous serez. Vous avez un monde à changer. Nous avons un monde à changer avec vous. Soyez vous-même le changement tant prôné pour impacter positivement nos familles, d'abord, nos organisations, ensuite, notre pays, notre Afrique, berceau de l'humanité, terre d'espérance et de progrès, et le monde entier, parce que nous avons notre partition aussi à jouer. C'est sur ces mots que je vais mettre un terme à mon propos, en vous remerciant toutes pour votre très aimable attention. Merci. De la cérémonie, nous allons passer au cérémonial proprement dit, de la remise des signes distinctifs aux différents impétrants de ce jour. Nous allons les appeler tour à tour, suivant un ordre qui a été bien défini. Et ils passeront d'abord dans un premier temps pour recevoir les écharpes ici. Et ensuite, ils viendront au centre du podium où un officiel académique de MD Business School
se chargera de leur remettre donc leur certification et des photos seront prises. Alors, c'est un moment solennel et délicat qu'il faut toujours sécuriser. Comme nous avons des personnes qui nous tiennent tellement à cœur, les familles, les parents qui sont là, il faut être délicat et puis prévenir tout le monde. On va commencer à les appeler. Le premier qui va venir n'est pas le premier de la classe. Le dernier qui va passer n'est pas le dernier de la classe. Voilà. Chez les patrons, il n'y a pas à faire de premier, de dernier. Mais il y a quand même un ordre que nous devons respecter pour que tout se passe bien. Donc rassurez-vous, les enfants, soyez rassurés. Papa, maman n'est pas dernier de la classe. Hein. Ils sont tous méritants. Voilà. Je vais demander au service technique de venir nous aider pour déplacer donc ce pupitre-là sur le côté. Et ensuite, nous allons commencer la déambulation. Le premier officiel pour la remise des certifications, Maître Ernest Olaï, président de M2 Business School, de bien vouloir s'avancer sur le milieu du podium. La première personne que j'appelle est le chef de l'équipe 1. Il s'agit de Jean-Claude Woyen. Jean-Claude Woyen cumule une expérience professionnelle de plus de 23 ans, dont 14 ans dans les cabinets internationaux et 9 ans en tant que fondateur et associé gérant de JCW, société de conseil en droit des affaires et fiscalité. Il conseille et accompagne des groupes internationaux de grandes entreprises locales et des PME et intervient en Côte d'Ivoire ainsi que dans les pays de l'UEMOA. Il est marié et père de 3 enfants. Il réside en ce moment à Nairobi, au Kenya, où ses activités se déroulent. Et chaque mois, il prenait son avion pour venir à Abidjan pour suivre la session du programme. Jean-Claude Woyen, président et chef de l'équipe 1. Jean-Claude Woyen, nous avons un attachement particulier à lui. Il est doublement alumni de MDE. Il est membre de la toute première promotion de notre PMD en 2012. Et 10 ans plus tard, il est venu pour faire l'AMP. Félicitations Jean-Claude. Bravo pour le modèle d'engagement que tu es. C'est véritablement le propulseur et un cerveau à très grande réflexion. Le second que j'appelle de l'équipe est Issouf Bakayoko, alias Bac le Dur. Bac le Dur, titulaire d'une maîtrise en mathématiques obtenue à l'Université d'Abidjan. Informaticien de formation, fondateur et gérant de Celetech SARL, Issouf totalise plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité électronique et les télécoms. Passionné par ailleurs d'architecture, il évolue également dans l'aménagement et la construction de bâtiments. Il est marié, il est père de 4 enfants. Bac me confiait que quand les temps sont durs, seuls les durs avancent. Et comme lui, il est Bac le Dur, il avance toujours. Et voilà, son physique plaît dans sa faveur pour avancer malgré les intempéries. Merci Bac le Dur. Merci. Alors,
Celle que je vais appeler maintenant est Caroline Bamba, la présidente de la promotion AMP 2022. Caroline Bamba est programme manager depuis 2021 de Partners in Food Solutions en Côte d'Ivoire, une ONG américaine. Caroline est en charge du développement des activités de PFS en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone subsaharienne. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure d'agronomie de Yamoussoukro. Elle est ingénieure agronome spécialisée en agroalimentaire, mais également auditrice IRCA ISO 9001 et ISO 22000. Elle a démarré sa carrière chez Cargill et travaille ensuite dans diverses compagnies de transformation alimentaire avant de créer en 2014 son cabinet de consulting Testcar Consulting, spécialisée dans la formation et l'accompagnement des entreprises. Elle comptabilise plus de 20 ans d'expérience, est mariée, mère d'une fille et est passionnée de tennis et de golf. La présidente Caroline Bamba. J'appelle maintenant Jean-Michel Été. Jean-Michel est associé et directeur général de Key Finance Partners, banque d'affaires spécialisée dans les opérations de conseil en cession, acquisition et financement d'entreprises. Jean-Michel bénéficie de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la banque d'investissement en Afrique subsaharienne et a participé à la réalisation de plusieurs transactions dans les secteurs des produits de grande consommation et des services. Avant de rejoindre Key Finance Partners en 2014, Jean-Michel a créé une boutique de conseil en fusion-acquisition basée à Paris et orientée vers l'Afrique. Jean-Michel est titulaire d'un master Grandes Écoles en Finance et Fusion-Acquisition de l'école de management Audencia de Nantes. Jean-Michel Été. Nous avons tous un grand attachement affectif pour Jean-Michel. C'est le Benjamin de la promotion, dont il est chouchouté par tout le monde. La personne suivante que je vais appeler pour des contraintes d'ordre professionnel et d'agenda particulièrement chargé n'a peut-être pas des nôtres aujourd'hui, mais je vais quand même la citer. Il s'agit de Nadège Kouma Huart. Nadège a créé et gère Box Idea, entreprise de conseil de stratégie d'opération marketing, publicité digitale. Et elle a plus de 18 ans d'expérience dans ce domaine. Après une formation en lettres et en communication d'entreprise et un diplôme d'ingénieur en marketing publicité, ses armes sont acquises chez les annonceurs comme CFAO, Alliance Finance et agence de communication telles que Publicis. Elle s'est motivée par le besoin continuel de faire de votre arme un wow que Nadège Kouma Huart alias NKH propose sa Box of Idea. Elle est surnommée Petit Piment. La personne suivante, c'est Daniel Paidewinde. Papa Dani. Il est directeur pays de manutention africaine Côte d'Ivoire depuis 2018. Daniel totalise plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le management d'équipes pluridisciplinaires en Europe et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest aussi. Expert comptable, il a débuté sa carrière en cabinet d'audit et d'expertise comptable chez Coopers & Lebrun pour ensuite évoluer dans des fonctions de CFO et de CEO dans plusieurs sociétés multinationales opérant dans divers secteurs d'activité. Il est membre du conseil d'administration du GIBTP, groupement ivoirien des entreprises du bâtiment et des travaux publics, et de la société Alios Finance Côte d'Ivoire. Il est marié et père de 2 enfants. Dans l'équipe 1, j'appelle maintenant Karim Sanogo. Karimou, fondateur et directeur général de la Société Ivoirienne des Travaux et de Construction en Bâtiment, SITCB. Karim est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics obtenu à l'INPHP de Yamoussoukro. Il cumule plus de 19 années d'expérience dans le domaine du BTP en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.
Il est le premier vice-président de G2 PME BTP, groupement patronal des PME du BTP en Côte d'Ivoire. Karim Sanogo. Sanogo a été durant tout le programme un participant particulièrement très bien habillé. Il a toujours challengé le plus grand sapeur de la promotion, mais c'était vers la fin du programme. Il fallait d'autres sessions encore pour qu'il essaie de le détrôner. Ça n'a pas suffi. Voilà. Karim qui s'avance maintenant pour recevoir des mains de Mess Ernest Olaï, donc sa certification. AMP 2022. Voilà. Maintenant, l'équipe va se centrer autour du président de M2 Business School pour la photo. Donc, ensemble, voilà, de façon symétrique de part et d'autre du président, bien centré. L'équipe 1 qui se sont surnommés les Magnifiques, véritables propulseurs, c'est eux qui ont impulsé la dynamique des afterwork, et j'avoue qu'ils ne tarissent pas d'imagination. Et finalement, le sobriquet qu'ils se sont attribué, les Magnifiques, est devenu le sobriquet de toute la promotion. Félicitations à l'équipe N et son président et son chef d'équipe, Jean-Claude Oyen. Voilà, ils vont donc se retirer pour donc reprendre place. Toujours sous vos ovations, on les soutient. Yala bongo wenge bi pombe mali yao. Oui. Longe nene ni kama pombe ni teiri baba ndiye mungenge. Pole ya bisomenge ya biulonge. Monsieur le président. S'il vous plaît, restez pour donner l'équipe de. Imalalo ngoba. Bagalo longo. Voilà, ils reprennent place. Voilà. Très bien. On va appeler maintenant l'équipe 2 par son chef d'équipe, Zenab Tela Zina. Zenab Tela Zina, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion. Zenab entame une carrière professionnelle en tant que chef d'agence prestige à la Caisse nationale des caisses d'agence CNCE. Après un passage dans l'entreprise familiale, elle se lance dans l'entrepreneuriat en qualité de responsable administrative. Zenab dirige depuis 2012 Zina SARL, une entreprise initialement spécialisée dans la restauration collective, le service traiteur et l'organisation d'événements, qui a par la suite évolué en intégrant également la vente et l'installation d'équipements de cuisine professionnelle. En 10 ans, Zina SARL s'est imposée comme une entreprise sérieuse dans son domaine d'activité. Chaleureuses félicitations Zina, véritable cheville ouvrière de tous les événementiels de M2 Business, de la promotion. Avec tout le fan club, c'est du Zina ça. J'appelle maintenant Gédéon Aka. Gédéon Aka. Après sa maîtrise en anglais, option linguistique obtenue à l'université d'Abidjan, Gédéon fait ses premiers pas en entreprise en tant que commercial dans le domaine de la fourniture et de la maintenance biomédicale. En 2010, il fonde Alliance Overseas avec l'aide de Sysmex. Aujourd'hui, grâce à une vision orientée vers la satisfaction client, Gédéon et son équipe sont devenus plus professionnels dans leur mission de fourniture et de maintenance d'équipements biomédicaux, médicaux et de recherche, ce qui place son entreprise comme leader du secteur biomédical en Côte d'Ivoire. Gédéon Aka, Alliance Overseas. Voilà, qui s'avance maintenant pour recevoir sa certification. J'appelle maintenant Françoise Mariam Kone, épouse Bédier, directeur exécutif du GPEX. Elle est un pur produit de la formation ivoirienne et elle en est très fière.
Après un baccalauréat série C obtenu au lycée Sainte-Marie, elle étudie à l'école supérieure de commerce d'Abidjan ESCA, qu'elle intègre en 1982, major de sa promotion au concours d'entrée. Dès sa sortie, elle est recrutée en qualité d'auditeur par le cabinet Arthur Andersen. Elle est ensuite débauchée par le groupe SCOA comme directeur marketing pendant un an, avant d'être sollicitée pour ses compétences en audit qui lui valent d'être nommée responsable du contrôle de gestion. Elle entre ensuite au GPEX en qualité de secrétaire générale en 1996, classée parmi les 100 personnalités influentes de la Côte d'Ivoire depuis 2017. Elle compte, selon Jeune Afrique, parmi les personnages clés de la filière Café Cacao et a exercé dans plusieurs conseils d'administration. Nous l'appelons tous affectueusement Mamou. J'appelle maintenant Victorien Dar. Victorien Dar, alias Don Vicky. Don Vicky, ingénieur de conception en électronique, génie électrique de l'INPHB et titulaire d'une certification KNX en 2017 à Lyon. Victorien cumule 16 années d'expérience acquise à des postes de responsabilité dans d'importantes entreprises. À la tête d'EGETSI, prestataire de services en études et travaux d'énergie depuis 2015. Il compte parmi les jeunes cadres du secteur et son titre de super lauréat au dîner des bâtisseurs 2021 le confirme. Don Vicky, bien soutenu par le Zanzan. J'appelle maintenant Issaoui Hassan. Issaoui est fondateur et directeur général de la société nouvelle Issac Transit, SNIT, spécialisée dans le transport, le dédouanement, le fret maritime, la manutention, la consignation et la logistique. Issaoui est diplômé en chaîne logistique, spécialisé en transport international multimodal et océan, titulaire d'un MBA de Cambridge Training College en Grande-Bretagne. Avec plus de 30 années d'expérience dans divers domaines d'activité, Issaoui est également ambassadeur de la paix et de bonne volonté des Nations Unies, vice-président du Haut Patronat des commerçants et opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Issaoui Hassan, ambassadeur. Je citerai maintenant le membre suivant de l'équipe qui n'est pas parmi nous, mais qui nous suit sûrement en ce moment, Armel Koudou, titulaire d'une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières, MSTCF. Armel a 23 ans d'expérience en entreprise à des postes de manager dirigeant, direction financière, contrôle de gestion, audit externe. Après 10 ans dans le secteur de la logistique et des BTP, il fonde Safari Finance pour accompagner les PME, puis Safari Construction et Safari Immobilier. Des solutions aux acquéreurs immobiliers et des projets rentables aux investisseurs. Il a été aussi donc opté comme ambassadeur de la paix. C'est le deuxième excellence de l'équipe. La personne suivante est Mamadou Sidibé. Doudou est titulaire d'un diplôme d'ingénieur biomédical de l'école de hautes études en santé publique de Rennes, EHESCP Rennes France, puis d'un doctorat de troisième cycle de l'Université de technologie de Compiègne. Mamadou cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le domaine des équipements médicaux et la construction d'infrastructures hospitalières, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région ouest africaine. Après quelques années dans la recherche, notamment au Centre d'innovation de l'Université de technologie de Compiègne en France, il assure depuis 2019 la direction du cabinet d'études et d'ingénierie biomédicale SICOS SARN. Mamadou Sidibé. J'appelle maintenant Hugues Yapo.
Directeur général de Haliburton Sénégal depuis juin 2021. Hugues est ingénieur pétrolier, diplômé de l'école supérieure des mines et de géologie de Yamoussoukro et titulaire d'un MBA de IMD Business School à Lausanne en Suisse. Il démarre sa carrière en 2006 avec un opérateur international pétrolier avant de rejoindre le département Completion des puits pétroliers de Haliburton en décembre 2008 où il occupe successivement des positions techniques et managériales à travers l'Afrique subsaharienne. En 2018, il prend la direction de Haliburton Côte d'Ivoire puis Sénégal, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Il comptabilise une riche expérience de près de 15 ans dans l'industrie pétrolière. Hugues vient chaque mois de Dakar pour suivre son programme à Abidjan. Avec Hugues, nous avons fini donc le tour de l'équipe 2. Nous allons donc leur demander de se centrer autour du président de MDE pour pouvoir faire la photo de famille. L'équipe de les ambassadeurs. Voilà. Ils vont donc se retirer sous vos ovations. Chaleureuses félicitations. Bravo, 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 bravo. Nous sentons l'émotion dans leur regard. Monsieur le Président, tout en vous remerciant, nous vous accompagnons respectueusement à votre place et nous demandons maintenant à Martin Frigola, directeur général de MD Business School, de s'avancer au centre du podium pour remettre les certificats donc à l'équipe 3. J'ai l'honneur d'appeler maintenant le chef d'équipe Ousmane Ba, titulaire d'une maîtrise de mathématiques et d'un master en banque et finance. Ousmane Ba totalise plus de 24 années d'expérience dans divers domaines. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans des établissements financiers et bancaires avant de rejoindre le groupe Allmarcom pour conduire le projet de création d'Atlanta Assurance Côte d'Ivoire et diriger la compagnie depuis le démarrage de ses activités. Ousmane Ba, donc directeur général d'Atlanta Assurance Côte d'Ivoire. Ousmane, le chef de l'équipe 3, qui vient donc recevoir des mains de Martin, donc sa certification. J'appelle maintenant Euphrasie Aka est juriste de formation et titulaire d'un master en communication, management et marketing. Euphrasie Aka cumule plus de 20 ans d'expérience en matière de développement durable dans le secteur de la cacao culture. Son parcours professionnel est édifiant. Dès 2002, elle assume successivement les fonctions de responsable de la communication, de l'administration et de directeur exécutif par intérim dans un programme international de l'ITEA. Cette somme d'expérience lui vaut d'être recrutée comme directrice pays de Impact, mis en œuvre par le chocolatier mondial Mars. En 2012, elle entre à la fondation ICI en tant que directrice pays et représentante régionale. Elle est depuis mai 2022 directrice Afrique de la dite fondation, première femme et première africaine à accéder à ce niveau de responsabilité. Bravo et chaleureuses félicitations, Euphrasie. Euphrasie et Mariam sont les deux cacao ladies de la promotion. J'appelle maintenant Jean-Luc Bédier est fondateur et associé principal de la SGI Hudson & Company, banque d'investissement indépendante,
membre de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Jean-Luc cumule plus de 35 années d'expérience dans le secteur de la banque et de la finance. Ces 10 dernières années, il participe à l'élaboration des politiques publiques dans le secteur financier et siège dans de nombreux conseils d'administration. Il est diplômé du centre de formation de la Citibank à New York, le Citicorp Institute for Global Finance. Il est titulaire d'un MBA Finance et d'un bachelor en management des universités of Hartford aux États-Unis. Jean-Luc Bédier. À l'unanimité, on lui a décerné le prix du participant le plus élégant de la promotion, session après session. Il n'a rien à envier aux égéries des plus grandes marques de la planète. J'appelle maintenant Anne-Lise Bougard. Anne-Lise est titulaire d'un diplôme en ingénierie financière à l'INPHB d'Abidjan. Anne-Lise Bougard a fait ses premières armes à la société de transport abidjanaise Sotra, où elle a occupé plusieurs postes pendant plus de 8 ans. Elle a continué son parcours de financière dans d'autres sociétés de la place avant d'intégrer Maïelia Automotive, spécialisée dans le contrôle technique automobile, dont elle est la directrice générale déléguée. Elle totalise plus de 20 ans dans le domaine de la finance. Anne-Lise Bougard. Très sympathique Anne-Lise, que j'appelle volontiers Madame Amitié. Elle est l'amie de tout le monde. Merci Anne-Lise. Tiemoko Diomandé, ingénieur des travaux publics de l'INPHB de Yamoussoukro, spécialiste en gestion des grands projets de l'école des mines de Saint-Étienne. Peut-être fier de Artemis Construction et Travaux ACT, son entreprise de BTP fondée en 2016. Filiale depuis 2020 du groupe Keidan. La cité Symphonia achevée et livrée, les projets immobiliers Symphonium, Callisto Étoile et Shopping sont en cours d'achèvement, ont permis à sa société ACT d'obtenir la construction d'un nouveau siège de la Banque Nationale d'Investissement. Marié, père de 3 enfants, Tiemoko Diomandé est amateur de football et de Formule 1. Tiemoko Diomandé de Artemis. J'appelle maintenant Ibrahim Ien, monsieur le maire, fondateur et gérant de CICP Assamad, spécialisé dans la gestion de lotissement et la commercialisation de terrains urbains. Nien Ibrahim est titulaire d'une licence en psychologie de l'Université de Cocody Abidjan, d'un Master 2 Pro en gestion des ressources humaines et d'un BTS en gestion commerciale. Il est par ailleurs marié, père de 6 enfants. Il a fait ses armes dans le secteur du foncier urbain. Par son expérience avérée, AS Samad a su gagner la confiance des acteurs du domaine. La transition mesurée et maîtrisée du domaine rural en domaine urbain reste le défi majeur que lui et son groupe se sont assignés. Monsieur le maire Ibrahim Nien. Merci. J'appelle maintenant Patrice Courangy, Patco, fondateur et directeur général du groupe Coralis, composé de 4 filiales. Patrice est titulaire d'une maîtrise de droit public et diplômé de l'école d'administration de la marine de Cherbourg en France. Colonel des forces armées ivoiriennes à la retraite depuis décembre 2020, l'Advanced Management Programme est pour lui la plateforme idéale qui lui permettra de réussir ce passage à sa reconversion des armées au monde des affaires. Marié, père de 5 enfants, il est titulaire de plusieurs distinctions dans différents ordres. Patco le Colo. Il nous aura apporté toute sa rigueur de militaire. Merci.
s'appelle maintenant Kanigi Yeo. Kanigi Yeo est directeur général de la filiale ivoirienne du géant norvégien des engrais Yara International depuis 2019. Yeo Kanigi est diplômé de l'ESCA, INPHB et ancien élève du lycée scientifique de Yamsoukro. Après son diplôme d'ingénieur commercial obtenu en 2006, il entame sa carrière au réseau Shell Côte d'Ivoire. Amateur de nouvelles technologies, de lecture et de sport, il a entre autres occupé des postes de directeur marketing, responsable marketing et responsable des ventes chez Unilever à Durban et à Abidjan. Kanigi Yeo, directeur général de Yara International. Maintenant la photo avec donc Martin. Martin reste sur le podium. Merci, chaleureuses félicitations. Vous êtes très solennel hein, et très ému. Souriez. C'est la fête. Très bien, félicitations. On va passer maintenant à l'équipe 4. Je vais appeler la chef d'équipe Valérie Alagbé. Voilà, Valérie qui s'avance, comptable de formation. Valérie est depuis 2005 gérante des établissements Bénian, entreprise de BTP, ayant réalisé plusieurs travaux avec les impôts, le trésor, la géroute. L'immobilier commercial reste cependant sa véritable passion. Elle trouve à le traduire en actes des travaux à pied d'œuvre jusqu'aux opérations de vente. Avec la SCI, les lauréades pour la construction de maisons de haut standing. Donc vous pouvez vous adresser à elle si vous voulez des logements de haut standing. Valérie Alagbé, donc la chef d'équipe 4. Valérie qui s'avance sous vos ovations pour recevoir donc sa certification de la part donc de Martin Frigola. J'appelle maintenant le vice-président de la promotion Raymond Bleu-Lenné. Raymond, attention, papa est là, hein? Voilà. Raymond Bleu-Lenné est Managing Director de la Société africaine de consulting pharmaceutique Soka Pharm depuis 2020. Société spécialisée dans le conseil, la formation aux entreprises et aux professionnels de santé et la conception d'applications de santé. Soka Pharm ambitionne de moderniser la notion du service aux patients en Afrique grâce notamment au digital. Raymond était auparavant responsable oncologie au sein des laboratoires Servier Afrique de l'Ouest et du Centre, et il a travaillé dans diverses entreprises en Belgique et aux États-Unis. Pharmacien diplômé de l'Université catholique de Louvain en Belgique, titulaire d'un DSSS de pharmacie d'industrie avant d'obtenir son PharmD à l'Université de Maryland School of Pharmacy aux USA. Il cumule plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique. Raymond Bleu-Lenné, vice-président de la promotion. Le troisième, c'est George Brown, l'Américain. George Brown, l'Américain. Il est diplômé d'administration économique et sociale, de comptabilité et de finances. Il est issu des universités Robert Schuman et Louis Pasteur de Strasbourg, puis de l'Institut commercial de Nancy, ICN Business School.
Georges débute sa carrière comme auditeur financier chez KPMG, audit puis chez Deloitte et associé à Paris. Il rejoint la Côte d'Ivoire après une décennie et prend la direction financière successivement de Air Liquide Côte d'Ivoire, de Afrilog Côte d'Ivoire et du terminal à conteneurs de San Pedro, avant d'en devenir le directeur général depuis 2018. Georges totalise 24 ans d'expérience professionnelle. Georges Brown, directeur général du terminal à conteneurs de San Pedro. Le membre suivant de l'équipe n'est pas présent parmi nous physiquement, mais par le truchement de la technologie, tout à l'heure, elle sera présente parmi nous. J'ai plaisir à citer Kadi Sissé. Kadi est spécialisé en marketing et développement de marché. Entrepreneur à succès, Kadi a fait ses classes dans plusieurs secteurs d'activité avant de s'installer dans les transactions immobilières depuis plus de 15 ans. Parallèlement, il développe une passion pour le coaching et la formation, notamment en marketing, vente et bien entendu dans l'immobilier. Elle est fondatrice de la société Inuvim SA, filiale du groupe Keidan dans le secteur de l'immobilier qu'elle dirige en qualité de PDG. Toujours à l'affût des solutions innovantes, elle fait partie de ces femmes qui s'illustrent par un parcours éthique mêlant abnégation et travail acharné. Kadi Sissé. J'appelle maintenant Kader Djiré, le sniper. Le doctorant Kader Djiré, de business sniper, a fait ses armes à Axe Média, à Convergence DS. Communication à EMS, à McLaren, l'Intas Paris et sa filiale Afrique de l'Ouest et du Centre, à Mirati, Puris, l'Intas et à British American Tobacco. En 2001, Kader crée le groupe Mediatix, un consortium d'entreprises composé de Mediabat, l'hôtel Les Vallons, One Security et Global Business and Trade Company. Lorsqu'on a acquis ces expériences multiformes, il faut en transmettre à d'autres. On en sort forcément avec la reconnaissance. Kader est prix d'excellence du meilleur publicitaire en 2016. Grand prix de la fierté aux ASCOM 2017. Prix d'or de la communication sociale des As de la communication. Le management est un métier qui s'apprend. Merci Kader, le sniper. Son nom a fini par découler sur l'équipe qui s'appelle les snipers. Le prochain membre de l'équipe n'est pas présent dans la salle, mais de cœur avec nous. Il s'agit de Daniel Sampa. Daniel est marié et père de 4 enfants. Il est fondateur et directeur général d'Awale Corporation, un opérateur de télécommunications créé en 2008. Auparavant, il était le directeur général de la CIE, ingénieur en génie électrique et titulaire d'un master en administration des entreprises. Daniel est aussi très engagé dans l'action humanitaire au sein du Lions Club International. Daniel Sampa. J'appelle maintenant Patrick Sekongo, Pat 5. Pat 5, la joie de vivre, véritable catalyseur au sein de cette promotion. Patrick Sekongo, ingénieur en logistique et transport, ILT, de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Patrick Sekongo a démarré sa carrière dans le transport maritime et les opérations portuaires. En 2007, il rejoint la délégation de l'Institut Européen de Coopération et de Développement en Côte d'Ivoire, IECD Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui directeur de l'IECD en Côte d'Ivoire et représentant en Afrique de l'Ouest de cette organisation internationale. Patrick Sekongo cumule plus de 20 années d'expérience professionnelle. Patrick Sekongo, sous vos ovations. Voilà. Patsek. C'est la première fois que je le vois si solennel et sérieux. Il nous réserve quelque chose, je suis sûr. Voilà, très bien. Merci Patrick, merci pour ta joie de vivre communicative au sein de cette promotion. J'appelle maintenant Mohamed Sunkere, Momo. Momo est directeur général de V1.
titulaire d'un master en système d'information et expert en cybersécurité et cloud computing, avec près de 20 années d'expérience. Il est l'un des pionniers de l'industrie de l'IT open source en Côte d'Ivoire. Il fonde en 2010 V1, spécialisé en transformation digitale, expert dans l'édition de logiciels et l'urbanisation des systèmes d'information. En 2015, à la suite du lancement de l'Office Cloud for Africa, un véritable défi technologique, il se voit ensuite décerner le prix spécial de l'entreprise numérique par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. En 2022, le spin-off de l'activité cloud permet de créer Cloud for Africa SA, filiale du groupe V1 et premier fournisseur de services cloud conçu et hébergé en Côte d'Ivoire. C'est un langage d'initié, Mohamed Sunkere. Très bien, avec Mohamed, on a fini donc le défilement des différents membres. Ils vont se centrer autour de Martin Frigola pour pouvoir donc prendre la photo de famille. Très bien, photo de famille, voilà. Ah, c'est fini la photo? Bon, d'accord. Donc, vous pouvez vous retirer. Donc, voilà, sous vos ovations. Je vous en prie. Bravo, le snipe. C'est bien, les gars. Bravo, fier de vous. De vous. Voilà. On remercie Martin qui donc reprend sa place et je vais appeler donc notre directeur académique de M2 Business School, monsieur Nicolas Nguessan, monsieur Belbin, à venir s'avancer ici pour remettre donc les certifications à l'équipe 5. J'appelle Brahma Kone, le doyen de la promotion. Brahma! Il est ingénieur électromécanicien, fondateur et directeur général de la société de mécanique générale SOMEG, qu'il a créée en 2001, spécialisé dans les prestations de services industriels et représentations industrielles. Fort d'une expérience cumulée de plus d'une trentaine d'années et de responsabilités dans différentes structures, Brahma a créé depuis 2021 BS Engineering, évoluant dans les secteurs du génie civil, des infrastructures, du VRD et des aménagements. Brahma, le doyen de la promotion. Alors, nous avons un attachement affectif avec Brahma. Il fut l'un des tout premiers participants au programme de M2 Business School, alors que nous étions encore IHE Afrique dans les années, Martin, 2006-2007. Hein? Et il marque toujours sa fidélité à M2 en venant faire l'AMP cette année. Félicitations Brahma, chef de l'équipe 5. J'appelle maintenant Vance Abissa. Vance Abissa, il est CEO du groupe Inclusive Garantie, courtier d'assurance et de réassurance spécialisé en assurance inclusive. Vance Abissa est un actuaire qui totalise plus de 17 années d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'assurance en Afrique. Passionné de formation et de développement personnel, ses qualités de leader lui ont permis de relever des challenges importants au sein des compagnies d'assurance, de sociétés de courtage, d'une microfinance et d'une ONG internationale de premier plan. Vance est également écrivain et enseignant dans deux grandes écoles en Afrique. C'est un écrivain, un passionné de la plume. Vance Abissa. Merci. J'appelle maintenant professeur Hortense Atta Diallo. Hortense est professeur titulaire des universités du CAMES de phytopathologie depuis 2014. Hortense Atta Diallo est vice-présidente de l'université Nangui Abrogoua. Elle est chargée de la planification, de la programmation et des relations extérieures. Titulaire d'un PhD en sciences des plantes de l'université de l'Arkansas aux États-Unis,
Elle cumule plus de 20 années d'expérience dans le diagnostic des maladies de plantes et des méthodes de lutte. Depuis fin mars 2022, elle coordonne la mise en œuvre d'un contrat de performance de l'Université Nanguya-Brogoua signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur, le PADES. Elle est commandeur de l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire. Professeur Hortense Atta Diallo, rentrée spécialement hier nuit d'une importante mission qu'elle conduisait en France pour la cérémonie et qui repartira donc dès ce soir ou demain pour suivre la mission. Merci Hortense de ta présence. J'appelle maintenant Amadou Bamba Bambino. Avec plus de 17 années d'expérience avérée dans le secteur de l'immobilier des BTP, Bamba Amadou est le fondateur et administrateur général de l'entreprise générale de bâtiments et de voirie internationale EGBV International, créée depuis 2008. En sus de ses études supérieures en génie civil option bâtiment, il a obtenu plusieurs certificats en BTP et en management. Ses bonnes performances de promoteur immobilier et d'aménageur agréé lui ont valu le prix national d'excellence du 3e meilleur promoteur immobilier de Côte d'Ivoire en 2019. Beaucoup de lauréats dans cette promotion des prix d'excellence. Chaleureuses félicitations. Bamba Amadou a été aussi un grand et excellent basketteur. Vous voyez sa morphologie, ça le trahit. Amadou Bamba. Très bien. J'appelle maintenant Adama Kouyaté. Adama Kouyaté est président directeur général de AMK Security depuis le 2 janvier 2022. Diplômé de l'Institut des techniques bancaires, CFPB, Nanterre, Paris, France. Après une maîtrise en sciences de gestion, option marketing et vente de l'Université de Cocody d'Abidjan, Adama totalise 19 années d'expérience dans le secteur bancaire et 10 années d'expérience dans le secteur de la sécurité privée. Il a servi comme directeur associé et fondateur d'une grande société de sécurité privée avant de s'installer à son propre compte en 2016 avec la création de AMK Security. Il est également fondateur de AMK SARL qui évolue dans le secteur immobilier depuis 2014. Adama Kouyaté. Merci. J'appelle maintenant Anne-Marie Sodatonou. Anne-Marie est expert comptable diplômée de l'État français. Anne-Marie a débuté sa carrière en France en cabinet d'audit et d'expertise. Après une expérience de plus de 20 ans, elle est aujourd'hui directrice associée du cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil, Thalys Conseil et Associés. Anne-Marie a rejoint le programme AMP en 2022. Avec l'ambition d'acquérir des compétences additionnelles dans le but de propulser le cabinet comme un acteur de référence dans le domaine de l'accompagnement aux entreprises. Anne-Marie Sodatonou, expert comptable. C'est la ministre des Finances de la promotion AMP 2022. La tirelire est bien gardée. Merci Anne-Marie. J'appelle maintenant Edouard Yao. Alors, Edouard Yao débute sa carrière professionnelle en 2011 dans différentes compagnies comme commercial avant de cofonder en 2015 le cabinet de courtage et conseil en assurance, l'Abidjanaise d'assurance, dont il est le directeur associé jusqu'à ce jour. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur du commerce international et totalise plus d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle. Alors, la déambulation des différents récipiendaires prenant fin avec donc Edouard, je vais vous demander de lui faire une standing ovation parce que ce n'est pas le dernier de la classe. Ce n'est pas le dernier de la classe. Ce n'est pas du tout le dernier. C'est l'ordre alphabétique qui a positionné son nom là-bas. Standing ovation donc pour Edouard Yao. Très bien, merci. Alors l'équipe va se mettre maintenant donc autour de Nicolas pour prendre donc la photo souvenir
avec les différents signes distinctifs qu'ils ont, l'écharpe et la certification en main. Un moment mémorable, les flashs des photographes crépitent. Je reconnais des alumni AMP de MDE 2013, Florence Conné, venir en soutien à la grande sœur. Bel exemple de solidarité familiale et aussi en promotion. Et nous allons demander maintenant à l'équipe 5, dirigée par le chef d'équipe Brahma, de pouvoir donc se retirer et de prendre position. Et de prendre donc position à leurs différentes places. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant que la configuration de la salle vient de changer, parce que nos impétrants sont devenus officiellement des alumni de MDE des AMP 2022, nous allons leur demander de tous se lever, chacun de tous se lever. Les AMP 2022, levez-vous, retournez-vous vers vos parents, amis et connaissances pour qu'on vous fasse la grande ovation d'ensemble de la grande et belle promotion AMP 2022. Fantastique, fantastique, merci, merci. Voilà la récompense du dur labeur. Voilà. C'est un jour mémorable. Et comme dans les jours de grandes fêtes, il y a toujours des surprises agréables. Alors, à l'attention des membres de la promotion AMP 2022, un cadeau vous est offert. Il s'agit de l'une de vos condisciples qui n'a pu être des vôtres aujourd'hui, Kadi Cissé, et qui a décidé d'offrir à chaque membre de la promotion le livre du PDG d'Amazon, Jeff Bezos, le disrupteur. Cadeau de Kadi Cissé qui vous sera remis à chacun d'entre vous. Elle nous invite à être des disrupteurs dans ce que nous faisons pour innover à l'image du PDG d'Amazon. Bel exemple d'altruisme et de solidarité au sein de la promotion AMP 2022. Avec donc la remise de ces signes distinctifs, le cérémonial proprement dit de remise donc des certificats est arrivé à son terme. Tous ces AMP 2022 intègrent maintenant la grande famille des alumni de MDE et il est de bon aloi, dans ce genre de circonstances, qu'ils puissent être reçus par la voie la plus autorisée au niveau donc de l'association des alumni. Je vais demander au service technique de nous aider à remettre le pupitre au centre et ensuite nous allons demander au président de... C'est vrai. Très bien. On va remettre le pupitre et je vais passer la parole au maître de cérémonie. Lucien, excuse-moi d'avoir fait un tort sur ton périmètre. Je me retire, j'ai terminé. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Guillaume Fanginou, il a remué cette salle merveilleusement et je vous l'avais dit tout à l'heure, après son passage, nos diplômés ont changé d'aspect, ils sont devenus très mignons avec cette fameuse écharpe, ils sont rentrés dans la grande famille,
la grande famille des alumni. Alors, avant de donner la parole au président des alumni pour les accueillir dans sa famille, je voudrais présenter quelques directeurs généraux qui sont dans la salle. J'avais déjà présenté les ministres qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Je voudrais saluer la présence de M. Yorobi Tizier. Est-ce qu'il est encore là? Il est le président de l'UNEMAF. M. Yorobi Tizier, je voudrais saluer la présence de M. Kouadio Roland, qui est DG de Medlog. On va l'ovationner. Madame Kanté Djeneba, directeur général de Fil d'ici Cocoa, est encore là. Saluez-la. C'est important parce que aujourd'hui, le monde du cacao est très bien représenté ici avec la présidente du GPEX. Monsieur ATB Emmanuel, PDG de Caronova, est présent dans la salle. On va le saluer. Beaucoup de professionnels de l'immobilier sont dans cette promotion. Monsieur Misaïn Houm, Jaël Eric, DG de AfriSearch. Nous allons le saluer. Merci. Et en attendant de poursuivre la présentation des DG, je voudrais sur ce donc inviter le président des alumni de MDE, Nabil Ajami. Il est AMP 2015. Il est le directeur général de SACRI. Nabil Ajami. Monsieur le ministre Bleuléné et Madame, Monsieur le maire de la commune de Cocody, honorables invités en vos rangs, Mesdames, Messieurs, chères familles et chers amis, chers alumni et vous, chers AMP 2022, permettez-moi avant de m'adresser à vous de dire un petit mot à notre aîné ici, M. Jean-Marc Yassé, pour vous rendre compte qu'on est vraiment une famille chez les alumni. Tout à l'heure, on a dressé toutes les qualifications de M. Jean-Marc Yassé. Et je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont nombreuses. Maire, consul, président, etc., etc. On en a oublié une, celle que je lui envie le plus, celle qu'un jour j'aimerais qu'on puisse dire de moi. C'est le papa de Olivia Yassé. On a l'habitude de dire des gens, c'est le fils d'eux. Mais je vous promets, si un jour on peut m'appeler moi, c'est le papa de Naïla ou de mon fils ou de Riyad, ça serait un très très grand honneur. Parce que ça veut dire que l'enfant est devenu plus grand que le père. Aujourd'hui, il peut voyager dans le monde entier. Peut-être qu'on ne sait pas qui est le maire de Cocody, mais qui est le papa de Olivia Miss. Ça, tout le monde le sait. Je t'envie et je suis fier de toi. Très cher AMP 2022, aujourd'hui vous êtes à l'honneur. Aujourd'hui, c'est votre jour. Comme on dit, c'est le jour de votre jour. Et je vous demande de vous applaudir encore une fois. Vous êtes beaux, vous êtes tous très beaux. Et quand on vous voit d'ici, on voit vos yeux qui brillent de 1000 étoiles. Et ces étoiles portent des noms. Succès, réussite, reconnaissance, amitié, fraternité, solidarité. Les dames ont fait un bel ensemble. Les messieurs ont mis leurs plus beaux costumes et leurs plus belles cravates.
Vous êtes magnifique, c'est ça? Une cérémonie de remise de diplôme est toujours un événement particulier. Pour les étudiants, il est vrai, mais aussi, qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais aussi parce que la grande famille des alumni de cette école se voit s'agrandir. Oui, maintenant que vous avez reçu vos belles écharpes et vos certificats, chers récipiendaires, vous êtes devenus les ambassadeurs de notre école. Vous êtes des alumni, et je vous en félicite. Même si l'annonce que vous devenez des alumni est simple, elle renferme un très riche contenu et de nombreux défis et engagements à relever. Les choses donc ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Le voyage continue, et de nouveaux horizons s'ouvrent à vous, de nouveaux engagements aussi. Mais après les 9 mois que vous avez passés, que vous venez de vivre, après ces énormes classeurs de quelques milliers de pages que vous avez étudiées, rien ne vous est plus impossible. Vous êtes une promotion magnifique. Bravo. Vous êtes donc cette 12e promotion. On est un peu inquiet pour l'avenir, parce qu'après les fabuleux de l'année dernière, on a les magnifiques. Et j'ai l'impression, cher Martin, cher Guillaume, qu'au niveau de notre programme, à chaque année, on est en train d'aller un peu plus haut. On a chaud pour l'année prochaine. Ça va être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, mais ça va être compliqué. En tout cas, cher magnifique, nous avons le projet, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de construire une magnifique et grande école dont vous avez pu voir le terrain lors de notre dernière manifestation à Akwedo. On vous demande de nous accompagner dans ce programme-là. On a besoin de vous. Nous autres, alumni, bénéficions de conférences ainsi que de séminaires de formation que des professeurs de qualité nous dispensent tout le long de l'année et qui nous permettent, dans un monde économique concurrentiel et en perpétuel mouvement, de toujours rester à la pointe des connaissances. Venez-y nombreux. Notre réseau d'anciens élèves nous offre aussi l'occasion de bénéficier d'un magnifique cadre de networking privilégié, et il nous revient, il vous revient, de faire en sorte qu'il soit de plus en plus efficace. Développez-le. Outre les prochaines graduations et soirées des programmes du PMD, PLD, du public AMP, nos activités sont très diverses. Samedi prochain, vous êtes invités à notre première marche au Banco. On espère que vous serez nombreux pour faire vivre cette fraternité, parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais de la mettre en application. Le 9 novembre, on a prévu de faire une conférence à MDE avec la directrice générale du Don MCCID en Côte d'Ivoire. Le 3 décembre, on a prévu un don de sang au siège de notre école, suivi de la check-in party que Madame Florence est en train de bien nous organiser. Venez-y nombreux. Ce sont des activités qu'on fait pour vous, qu'on fait pour nous, et on a besoin de vos énergies positives lors de ces rencontres-là. Nous sommes donc, nous, alumni, des acteurs de la création d'une business school dont notre société a besoin. Je sais que nos obligations professionnelles, sociales, familiales sont nombreuses, mais obligeons-nous à donner une priorité à la vie et au développement de notre école. Vous avez pu admirer tout le long de ces 9 mois, le dévouement de l'équipe de la MDE Business School et de son corps professoral. Faisons de même. Remercions-les en leur manifestant notre soutien et en leur offrant notre disponibilité dans leurs efforts de construction d'une école plus forte, plus performante. En développant notre école, c'est notre environnement, notre société, la société ivoirienne que nous développerons avec des valeurs de partage et de progrès pour tous à la fin, la rendre magnifique. En regardant aujourd'hui vos visages illuminés de cette 12e promotion, je suis certain que toute la famille des alumni bénéficiera de ces élans, de ces nouvelles idées et aussi de courageux et dévoués travailleurs pour avancer tous ensemble. Toutes mes félicitations, chers nouveaux alumni, et bienvenue chez vous. Vive les magnifiques
vive la MDE USE Business School, vive les Anouni et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci au président. On va l'applaudir pour l'accompagner. Attendez un peu le programme de ce que nous faisons dans le groupe des alumni. Et je suis heureux qu'il ait parlé du futur siège. C'est un projet important. Nous avons commencé à rêver. Cette année, au mois de juillet, nous étions à Madrid, dans le nouveau campus de l'ISC de Madrid. Et nous sommes en train de rêver. Nous sommes en train de rêver. Est-ce que nous allons pouvoir faire pareil? Est-ce que nous allons pouvoir faire plus? Nous devons pouvoir. Nous devons pouvoir faire ce que nous voulons pour changer. Vous connaissez notre devise. Un campus merveilleux, qui plus est au bord de la lagune, je pense qu'il va aider à former des alumni, des AMP formidables. Il le disait tout à l'heure, nous sommes partis des fabuleux au magnifique. Je suis sûr que la langue française nous permet d'aller encore un peu plus haut chaque année. Merci, merci à nos nouveaux AMP, à nos nouveaux alumni. Nous allons écouter quelques témoignages. Parce que nous l'avons dit en début de propos, c'est 80 cas, c'est plus de 1000 pages, lues 3 ou 4 fois, ça fait 4000 pages. Mais il y a des choses à l'intérieur, vous ne savez pas comment ils les lisent. Il y en a qui dorment avec. Il y en a qui mangent avec, il y en a qui vont en week-end avec, il y a beaucoup de choses. Nous allons écouter quelques témoignages et je vais appeler tous ceux qui vont donner des témoignages, qui sont les présidents de groupe. Veuillez accueillir donc Jean-Claude Wenyen pour le groupe 1, Sidibé Mamadou. Ils vont monter tous ensemble et puis ils vont faire les témoignages au fur et à mesure. Jean-Claude Wenyen sur le podium, Sidibé Mamadou sur le podium, Ba Ousmane pour le groupe 3 sur le podium, Kader Djiré sur le podium, Kader Djiré, voilà, il arrive, Atta Diallo Hortense sur le podium. Et nous aurons certainement une intervention par vidéo de Kadi Cissé. Alors je crois qu'ils ont l'ordre des passages. Je vais seulement nommer le premier et puis ensuite l'ordre va se mettre en place. Veuillez accueillir donc Jean-Claude Wenyen pour son témoignage du programme AMP 2022. Merci Lucien. Mesdames, Messieurs, en vous rendant grâce des qualités, je vous salue. Alors, je suis Jean-Claude Wenyen, je suis conseiller juridique et fiscal et fondateur associé, gérant du cabinet JCW, cabinet de conseil en droit des affaires et en fiscalité. Évidemment, je suis le représentant du groupe 1 et je veux commencer mon propos par rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui me donne la force et l'énergie de faire tout ce que j'entreprends. Merci au Seigneur et merci à mon épouse Gisèle, hein, qui me soutient depuis toujours, depuis une vingtaine d'années qu'on est ensemble, voilà, et qui nous a donné de 3 merveilleux enfants. Merci Gisèle, merci à l'encadrement de MDE au corps professoral, merci à mes condisciples. Alors, mon histoire avec, ce que je veux raconter, mon histoire avec MDE, mon histoire a commencé il y a 10 ans. Alors, il y a 10 ans, j'étais consultant dans un cabinet international et j'avais toujours nourri le rêve de créer mon entreprise. Et je n'avais pas les outils managériaux, je ne me sentais pas la force et le courage de monter ma propre affaire. Et donc, en 2012, j'ai rencontré M2, j'ai fait justement le programme PMD. Et je vous assure que ce programme m'a donné tous les outils
managériaux, mais surtout le courage de passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Aujourd'hui, je veux remercier M2 parce que ça fait 10 ans que j'ai créé mon entreprise et avec ces outils managériaux, j'essaie de la faire grandir au mieux. En tout cas, merci à vous. Alors, ça, c'est l'histoire pour le passé. Alors, mon histoire avec M2 s'inscrit, c'est vrai, dans le passé, mais également dans le présent, qui est l'actualité d'aujourd'hui, donc celle de l'AMP22, mais également dans le futur. Alors, pour le présent, tout le long de notre parcours qui a démarré en mars de cette année, évidemment, nous avons eu beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, finances, management, éthique, mais surtout les cours qui m'ont surtout marqué, ce sont les cours de leadership. Okay, nous avons eu l'occasion d'étudier le leadership de Mandela et d'autres personnes, mais surtout le leadership de Mandela. Et je peux vous assurer que ce leadership m'a profondément marqué, parce que j'estime que notre pays manque de leaders capables de propulser, et j'aime bien ce thème de leadership de propulsion, parce que nous sommes certes des leaders, mais nous avons tendance à nous laisser happer par le bas vers le système, et c'est dommage. Nous devons être capables, en tant que leaders, d'être assez forts pour tirer la société vers le haut. Et c'est dans ce cadre-là que je veux m'inscrire, leader de propulsion, mais également leadership de service aujourd'hui. Et je vous assure que depuis ce programme, chaque jour, j'essaie d'expérimenter l'expérience d'être au service de mes collaborateurs. Et je vous assure, quand on se met au service des gens, ils nous donnent le meilleur. Aujourd'hui, je le vois, j'ai un collaborateur dans la salle, Narcisse Zia, que j'appelle aujourd'hui mon patron, je le sers. Et je vous assure, il fait des choses incroyables qui vont au-delà de ce que je peux espérer. Alors, ce sont des leaders de propulsion, pour propulser nos familles, nos organisations, nos entreprises, mais également notre pays vers le haut. Mettons-nous au service de tous, de nos enfants, de nos épouses, de notre société. Et quand on le fait, rassurez-vous, on obtient le meilleur. Voilà. Donc, leadership de propulsion, leadership de service, mais surtout leadership authentique. Voilà, leadership authentique. Beaucoup de leaders communiquent beaucoup, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que le leader change au fond de lui-même. Et je travaille à changer au fond de moi, pour que lorsque j'aurai changé au fond de moi, mon intérieur transparaisse, et c'est ce qui doit être communiqué aux autres. Et c'est ce que je veux, un leadership qui communique et qui tire la société vers le haut. Aujourd'hui, c'est ce auquel je m'emploie, à être un leader qui tire les autres vers le haut, qui propulse les autres, qui révèle les talents, qui les développe. Voilà, voilà, voilà la mission que je me donne. Et ça, c'est pour le présent. Alors, pour le futur, mon histoire avec M2 pour le futur, c'est, vous savez, vous m'excuserez, depuis quelques mois, depuis toujours, je nourris de très grandes ambitions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai souvent mal de voir notre pays dans l'état dans lequel il se trouve. Et beaucoup de mes rêves et de mes visions pour ce pays, je peux vous assurer, à un moment donné, ont été sacrifiés et tués sur l'autel de la déliquescence de cette nation. Mais en faisant ce programme, j'ai retrouvé le rêve. Et c'est ce qu'il dit, à travers cette façon d'enseigner, a way to learn, a mark to make, mais surtout a world to change, un monde à changer. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ce rêve de travailler d'abord à développer mon entreprise, parce qu'en développant mon entreprise, je participe au développement du PIB de la Côte d'Ivoire, à la croissance de la Côte d'Ivoire, à l'épanouissement des Ivoiriens, mais surtout, je veux travailler à faire de ce pays nation prospère, d'homme d'affaires, entreprenant et conquérant, pour servir à chacun des Ivoiriens bonheur et amour. Voilà mon témoignage et je voudrais vous remercier. Bonjour à tous, je suis Raymond Bleléné, pharmacien. Chers invités, on vous rend gré des qualités. Je m'ébaudis aujourd'hui de partager mon expérience avec M2 ce matin. Pharmacien de formation, profil scientifique, nous avons l'habitude d'être rationnels,
vous me dites que vous avez mal à la gorge, si c'est bactérien, je vous dis amoxicilline, c'est une molécule qui agit d'une manière bactériostatique ou bactéricide, cela veut dire que ça tue. Donc c'est mon habitude. Et malheureusement, il y a un langage que je ne comprenais pas. Donc c'était pour moi, si je peux m'exprimer ainsi, du chinois ou du russe, BFR, actif, passif, trésorerie, tous ces mots qui sont quand même importants pour tout homme qui a une entreprise. Et c'est cela la beauté de MDE. Grâce à MDE, grâce à l'étude des cas et aux problèmes non structurels, nous m'ont permis de pouvoir dire que maintenant je parle chinois, je comprends le BFR, je comprends le FR, je comprends le chiffre d'affaires, je comprends la trésorerie. Et concrètement, étant passionné du football, allez le Real de Madrid, étant un passionné du football, ils ont rendu le match facile. Ils ont rendu les notions de comptabilité, de finance faciles. Deuxième aspect de mon expérience, avec MDE, il y a la puissance de travail de groupe. Il y a la puissance du travail de groupe. En effet, on est porté par son groupe parce que nous sommes tous de profils différents. Nous avons tous une expérience différente et on se réunit, comme Guillaume l'a dit tantôt, avec les coachs qui ont une très grande dextérité de nous guider sans nous diriger vers les cas. Et je voudrais vraiment les remercier parce que cela nous permet de rentrer en matière et de comprendre comment les groupes aident dans la solution de problèmes. Concrètement parlant, à l'époque, j'avais un problème avec un collaborateur et donc je l'ai exposé à mon groupe et ils m'ont donné des solutions auxquelles je n'avais jamais, mais jamais, jamais pensé tout simplement. Et ça, c'est la puissance du groupe. Une autre expérience de MDE, ils ont réussi, et je peux vous dire que c'était un challenge et c'est très fort, de me faire passer plus de 2 heures sans téléphone. Parce que quand on va au cours, on laisse les téléphones de côté. Donc je peux vivre sans téléphone, un message à mon épouse. Et pour finir, je dirais, on est avec le MDE, on vient avant, on change, c'est vraiment une histoire de, on construit vraiment le futur, on change le présent et on est différent. Et je suis très fier d'être différent et de pouvoir regarder mes magnifiques enfants, Kefa et Camille, et pouvoir savoir que grâce à MDE, j'ai pu contribuer à construire le futur et changer le présent. Je vous remercie. Tellement grand que je dois rabaisser cette affaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, en rang, grade et qualité, protocole observé. Je suis honorée de prendre la parole du 27 auguste Assemblée pour partager ce jour spécial, pas seulement pour moi, mais pour tous mes condisciples de promotion. C'est un jour qui sanctionne plusieurs mois de dur labeur. On en a parlé, faire les QCM après combien d'années où on se reposait. Ça n'a pas été facile, mais toute cette promotion s'est engagée à suivre la formation, comme beaucoup d'entre nous avant. Je parle en l'occurrence de la promotion AMP 2021 que je salue. Mais ce que nous célébrons surtout, en dehors du parchemin, que nous avons reçu, c'est le cheminement, la transformation. Et cette transformation, non seulement qui est en nous-mêmes, mais la transformation que nous avons pour tous ceux qui sont autour de nous et que nous sentons aussi au travers de différentes activités que nous menons. C'est de cela qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on arrive à décider de reprendre le chemin des classes quand on est manager? On est au cadre de l'administration, revenir en classe tout à l'heure, Guillaume en a parlé. Si vous voyez la pile des classeurs que nous ramenons à la maison, ce n'est pas un choix difficile. Non. C'est plutôt un choix très difficile. Tout à l'heure, je vais parler de la décision. Parce que vous choisissez de venir suivre 9 mois de formation, c'est un engagement fort. Mais c'est en même temps des contraintes aussi pour toute la famille. Les samedis, par exemple, quand nous avions cours, on vous attend à la maison, mais vous dites, je n'ai pas encore fini. Donc, c'est une contrainte et ça a un impact sur toute la famille. Donc, il fallait en tenir compte. Mais je crois que nous avons pris la bonne décision de venir ici.
J'ai longtemps hésité avant de venir. Je connais le programme AMP de M2 Business School depuis 2013, parce que ma jeune sœur, qui est la Florence Tagonet, a participé à cette formation-là. Donc vous imaginez, depuis lors, il faut que tu y ailles. Il faut venir, c'est intéressant. Et ensuite, plusieurs années après, deux de mes petits frères sont venus, ils ont fait les PLD. Ils sont tous revenus, tous les trois. Il faut que tu viennes. J'ai dit oui, mais bon, j'ai déjà étudié, j'ai déjà... Bon, c'est vrai que je suis scientifique. Non, on apprend à manager. J'ai dit oui, mais bon, après. Mais subitement, cette année, je crois que toutes les étoiles se sont alignées, puisque je suis venue finalement. Et je ne regrette pas. Maintenant, si vous permettez, je vais faire une petite incursion dans le monde universitaire. Ces dernières années, nous avons un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, notre mission était de donner des diplômes aux étudiants. Mais maintenant, au-delà de cela, nous devons nous assurer que nos étudiants acquièrent des compétences. Mais en plus de cela, ils doivent pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. Comment faire cela ? Comment aider nos étudiants à devenir même des entrepreneurs quand nous-mêmes, nous ne savons pas comment on devient entrepreneur ? Il nous est demandé de créer, par exemple, des start-up, des incubateurs. Mais c'est maintenant qu'on entend parler de ça en tant que scientifique. Donc, où mieux qu'à M2 Business School venir pour apprendre tous ces rudiments-là de la création d'entreprises ? Et en plus de cela, côtoyer des chefs d'entreprise de différents domaines. Dans mon groupe 5, le groupe des Seven Stars, non pas ce groupe, hein. Voilà, nous avions des promoteurs immobiliers, des anciens banquiers qui sont devenus maintenant professionnels de sécurité, des industriels, experts comptables. Donc tout ce mélange, ce cocktail d'expérience, moi en tant que scientifique, je ne peux en ressortir qu'enrichi. Donc maintenant, je pourrais parler plus d'entrepreneuriat au sein de l'université. Donc voilà un peu quelques-unes des raisons qui m'ont poussé à venir à cette aventure-là, qui ne fait que commencer d'ailleurs. Je vais rappeler que je suis aussi chargée des partenariats au sein de l'université. Donc quand vous venez intégrer un groupe d'abord de 40 personnes, c'est 40 personnes qui peuvent donner des bourses à nos étudiants, qui peuvent les coacher. Mais qu'en plus de cela, vous joignez des amenés, tout à l'heure, les amenés, 1500. Donc, à travers ce réseau-là, je crois que je peux dormir tranquille. Hein. Nos étudiants seront bien accompagnés, monsieur le secrétaire général. Mais je suis venue à MDE et j'ai appris. Il y a deux modules particulièrement qui m'ont marqué sur le leadership. Je crois que le prof qui nous a fait ce module-là, dispensé ce module, et dans cette salle, c'est le professeur Nicolas Nguessan sur le test Belbin. Quand on a fini de faire le test après 40 minutes et que je me suis assise, j'ai dit, oh my God, ça c'est moi. Je suis comme ça vraiment. Et du coup, ça fait réfléchir. Parce que quand on réagit rapidement, on fait le travail rapide, on s'attend à ce que tout le monde vous suive. Mais une fois, quelqu'un m'a dit, de temps en temps, marquez une pause et puis regardez si vos collaborateurs vous suivent. Donc, il faut aller tirer tout le monde. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce qu'il appelait les points de vigilance. Donc, de temps en temps, j'ai dit, bon, je vais attendre un peu. Vous avez encore 2 minutes pour venir. Donc, je pose un peu et j'accompagne mes collaborateurs. Le deuxième, je crois que certains sont dans la salle. Ils vont se dire, ah, on comprend maintenant le changement. Le deuxième module qui m'a marqué, c'est celui qui porte sur l'analyse des décisions. C'est vrai que nous décidons, hein? Un des professeurs nous l'a dit, à chaque instant, même ce matin en venant là, on s'est dit, on vient soutenir nos familles ou on ne vient pas? Si on ne vient pas, ils seront fâchés. On décide à tout moment. Mais il y a des décisions pour lesquelles c'est vraiment important. On ne peut pas décider du tic au tac, il faut avoir une stratégie. Et à M2 Business School, on l'a appris. Avec l'arbre des décisions. Je commence même à exagérer un peu, hein, même pour aller dans le taxi. Bon, si je prends ça, est-ce qu'il va pleuvoir? S'il ne pleut pas, bon, commencez à dessiner. Donc, faut faire un peu attention. Voilà. Donc, durant ces 9 mois de formation, je suis venue, j'ai écouté, j'ai observé, j'ai été inspirée, et puis j'ai appris. Mais ce qui est intéressant,
c'est que je vais commencer la mise en œuvre et je sais que les résultats ne pourraient être que meilleurs par rapport à ce que j'avais auparavant. Donc, objectif atteint pour moi, pour cette formation-là. Donc, avant de finir, ne vous inquiétez pas, je finis bientôt. Je voudrais remercier les personnes qui me sont chères, en particulier mon époux, Dr Dialouissa, ici présent. Merci. Voilà. Ma famille, tout à l'heure j'ai cité ma petite sœur, j'ai mes frères et sœurs qui sont dans la salle. Merci à vous. Merci pour votre soutien continu. Au groupe 5, The Seven Stars, I'm very proud of you. Thank you for your support. Ce groupe a été conduit de main de maître par notre chef, Kone Brahma. Merci, chef. Et j'ai tout à l'heure cité les autres. Donc, merci pour tout ce cocktail d'expérience que vous m'avez fait partager. Je vais à présent remercier aussi toute la promotion AMP 2022. Vous m'avez enrichi et j'en ressors éclairé. Merci à vous. M2 Business School, merci pour cette formation de haute qualité. Maintenant, je ne saurais terminer sans remercier mon institution, l'Université Nanguya-Brogoa, qui est représentée ici par son secrétaire général, M. Ngoba Kayoko. Merci. Merci. Parce que l'université m'a permis d'avoir le temps pour cette formation-là. Mesdames et messieurs, on that note, I thank you for your kind attention. Thank you very much. Ne vous en faites pas, je serai pas long. Je serai pas long, pourquoi ? Parce que je vais aborder mon intervention sur trois axes. Le premier axe, ce sera une approche diachronique. Le deuxième, ce sera une autre synchronique. Et le troisième, ce sera une prospective. J'interviens ici au nom du groupe 6. Je ne sais pas pourquoi je me trompe tous les jours. Entre le 6 et le 4, c'est le groupe 4 qui me charge de délivrer un message. Mais avant ça, je voudrais quand même délivrer un message un peu personnel avant de pouvoir lire le message du groupe 4. De manière synchronique, je suis ancien étudiant de la faculté de droit, d'une promotion en deçà de celle du président de MDE, avec qui j'ai partagé la même chambre à la cité de Vridi, notamment Maître Olaï Chabi, dans les années 80. Et par la suite, j'ai fait du marketing et les lettres, et pour finir, comme doctorant dans l'une de ces matières-là. Et à chaque fois, on me demandait, et d'ailleurs, Olaï, lorsque nous nous sommes retrouvés lors d'un vol où il était avec sa famille, tu t'en souviens bien, il m'a dit, mais écoute mon gars, on est en train de faire un truc là, il faut que tu viennes, hein, ça va être intéressant. C'est la vision synchronique. Hein. C'était dans les années quoi, 2011, avant la crise. Je lui ai dit, ben, écoute, moi je suis en train de chercher de l'argent déjà parce que normalement je dois passer mon doctorat. J'ai fait le DEA, je dois faire mon doctorat. Si je dois faire un diplôme, ce sera le doctorat et pas autre chose avant. Ben, il m'a dit, ben, écoute, je pense que tu vas bien comprendre après. Et il se trouve, ironie du sort, mes bureaux sont aux deux plateaux, rue des Jardins. Les bureaux des MDE étaient juste en face de mes bureaux. Chaque fois, je voyais les gens passer MDE, mais ça ne me disait pas grand-chose. J'ai été appelé par plusieurs de mes amis, dont également le ministre dira souvent en 2011-2012, écoute Kader, il y a une formation là, est-ce que, je dis mon gars, actuellement moi je cherche l'argent, peut-être que bon, quand je vais en avoir, je vais penser au diplôme. Et puis, bizarrement, l'année dernière, ou il y a deux ans, François Nzé, mon ami Fanginou, Guillaume, et également Ernest, voilà, qui sont revenus à la charge.
Mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas de revenir ou de penser à ce truc-là? Et puis, par la suite, j'ai vu que j'ai plusieurs amis qui ont fait cette formation-là et qui m'en ont dit du bien. Je vous l'avoue aujourd'hui, je fais l'aveu, je suis venu comme ça. Guillaume, je suis venu comme ça, juste pour voir. Là, je rentre dans le synchronique maintenant. Franchement, ce que j'ai vu là-bas, là, pour parler comme le bon Ivoirien, vrai, là, si tu ne rentres pas là-bas, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas à connaître. Franchement, ça a été une très belle expérience. Franchement, j'en ai été flatté, ébloui et puis très inspiré pour le futur. J'aimerais, à partir de cet instant, lire le discours que mes condisciples m'ont demandé de vous transmettre. Être manager de plusieurs sociétés qui marchent bien est une extrême satisfaction. Satisfaction qui porte dans la pensée de l'ego humain, l'idée d'insatisfaction bien souvent remplie d'impétuosité et d'ego surdimensionné. Du genre, je suis le meilleur, je sais tout, parce que tout marche bien. En tant que chef d'entreprise, quand on se dit ça, on ne sait pas ce qui nous attend. Et pourtant, le monde bouge. En bougeant, il change. En changeant, il pourrait nous montrer que rien n'est un acquis et que les succès d'hier ne sont pas forcément les acquis de demain. De cette ambivalence, si l'on n'a pas les bons réflexes et les bons outils de la constance et de la résistance au temps, au changement, alors on tense, alors on tangue, et on s'écroule comme un château de cartes. Alors on tangue. Personne parmi vous ici ne souhaiterait, en tant que manager, tenser ou tanguer face à une situation professionnelle qui nous amènerait à la destruction même de tous nos acquis. Et c'est en cela, et c'est ici d'ailleurs, que prend forme toute la puissance de la maxime socratique, et que je cite, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Il faudrait aussi, par rapport à cela, user du stratagème de Schopenhauer, que je vous conseille de lire, les stratagèmes de Schopenhauer, qui mettent en avant les différentes stratégies, notamment dans la discussion avec autrui, en évitant les choses hérésiquement professionnelles. L'hérésie professionnelle ou la manière de discuter, d'être toujours déviant face à un partenaire, d'être toujours déviant face à un client est une attitude que l'on nous déconseille forcément à AMP-MDE. Je sais que tous les sachants vont sourire à l'évocation du nom Carmen Brown. Ça vous dit quelque chose, Carmen Brown? Et de la fameuse phrase. Ma poche, ta poche. Ma poche, ta poche. C'est l'histoire de Carmen Brown. C'est un cas de comptabilité. Et c'est un module qui a été fait en avril dernier, qui a été simplifié par un de nos éminents professeurs en termes de comptabilité. Et ça nous a appris, en termes d'expérience, que la comptabilité, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Parce que dans nos entreprises, pour nous qui avons fait de la littérature ou un peu, on va dire, de sciences, comme Hortense le disait tout à l'heure, mais pas forcément les sciences comptables ou financières, on avait souvent des attitudes, excusez-moi les financiers, mais on a l'impression souvent que vous la jouez un peu dans les entreprises, quoi. Ouais. Ben, là, maintenant, on est passé à MDE, on connaît, on voit un peu clair dans le business. Voilà. La comptabilité était pour nous un peu comme une sorte, pour parler un peu comme les termes actuels, du russe ou bien de l'ukrainien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu comprendre et je pense que c'est un peu ce que le jeune frère Raymond a expliqué tout à l'heure, le BFR, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement,
les EBIT, les EBITDAT. Non, on parle de tout ça. Hein. Ouais. Avant, on ne connaissait pas. Et maintenant, on sait. Donc, les comptables, méfiez-vous. Voilà. Alors, je pense que le programme AMDE, pour ce qui nous concerne, il apparaît juste à propos comme la lumière qui éclaire le chemin du disciple et l'oriente sur les chemins d'une vision plus humaniste de son rôle dans la société, rôle qui est de développer un capital humain indispensable au progrès social, former et faire émerger les leaders capables d'impacter positivement et durablement la société. Ici, nous avons appris que rien ne se fait au hasard, tout est une affaire de vision holistique et stratégique, c'est-à-dire globale, avec une forme de thérapie, parce que le holistique, c'est tout ce qui est global et en même temps qui permet à l'entreprise d'avoir une forme de thérapie en termes de qualité. Et ce n'est pas de la fantasmagorie qu'on nous apprend à MDE, mais bien au contraire, de la structuration, de la méthodologie, de la discipline. Quand bien même, on se rend compte que souvent les problèmes que nous voyons sont des problèmes qui sont souvent structurés et des problèmes non structurés. Alors pour l'auditoire, les problèmes structurés, c'est des problèmes qui ont des solutions. Les problèmes non structurés, ce sont des problèmes qui n'ont pas de solution, pour lesquels des solutions peuvent être trouvées par n'importe qui. Et ce ne sont pas des solutions, on va dire, universelles. Mais quand même, ce sont des solutions qui permettent de faire avancer la société. Alors, pour conclure mes propos, comme une belle grossesse, une gestation désirée par les parties en présence, cette formation fut 9 mois de formation, 9 mois de fidélité, 9 mois de convivialité, de compétitivité fraternelle dans l'apprentissage, 9 mois de finalité dans l'acquisition de prises de décision et de gestes fondamentaux dans le management à tous les niveaux. À la fin de cette période forte, enrichissante, on peut fièrement et satisfairement, permettez-moi le néologisme, dire aujourd'hui, mieux manager ses affaires, ses dossiers. Je parle des bons dossiers, des vrais dossiers. Je ne parle pas de manager ses dossiers un peu comme certains ont l'habitude de le faire. Mieux manager ses dossiers, mieux manager ses affaires, mieux manager ses collaborateurs, mieux manager ses collègues devient une routine du bon commerce de la relation humaine de qualité. La preuve étant le nouveau regard que portent nos différents collaborateurs sur nous. Regard qui touche même certains de nos proches, nous obligeant nous-mêmes à nous demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu aussi tôt à MPMDE. Tant le changement opéré dans nos analyses et prises de décisions est fort. Cela nous amène à des cas que nous avons étudiés, juste un ou deux cas qui m'ont, en plus des autres, épaté, le cas Nestlé, dans la glocalisation. Je pense que les alumni en savent quelque chose. C'est une vision globale avec une méthodologie d'approche locale, ce qu'on appelle la glocalisation. C'est un terme qui m'a beaucoup plu, c'est vrai qu'on applaudisse très fort. Il y a aussi le cas Méli Mello, qui est un cas de gestion de patrimoine familial. Parce que tous ici que vous êtes des managers. Mais est-ce que vous avez pensé à une vision prospective? Demain, quand vous ne serez pas là, vos entreprises, elles seront gérées comment? Est-ce qu'il faut avoir des enfants qui soient formés ou des enfants qui ne soient pas formés? Est-ce qu'il faut avoir des dirigeants indépendants pour venir gérer vos familles? Est-ce que? Et c'est une question qui reste ouverte parce que ça nous fait peur. Il n'y a rien de pire que de monter son entreprise, de bâtir un empire qui, par la suite, peut être détruit par ses descendants ou sa descendance. Donc, ce cas nous a appris beaucoup de choses en termes de connaissances également. Aujourd'hui, nous, les snipers du groupe 4, nous sommes à l'affût des opportunités pour faire de bonnes affaires. Et c'est pour cela que j'en profite pour dire aux alumni qui sont là,
vous qui êtes les directeurs de société, je suis porte-parole du groupe 4. Nous sommes des business snipers. Nous allons rentrer en contact avec vous pour voir monsieur le maire, tonton Bleu l'aîné, tous les directeurs généraux ici présents. Nous sommes des business snipers. Nous allons rentrer en contact avec vous, voir éventuellement quelles sont les affaires que nous pouvons développer ensemble, et ceci grâce à AMP. Je voudrais terminer en lançant un grand remerciement à ma famille proche, à mon épouse ici présente, à mes enfants qui sont là, et à tous mes frères et sœurs qui m'ont conseillé, qui m'ont toujours encouragé dans l'apprentissage. C'est vrai que, comme je l'ai dit Guillaume tout à l'heure, j'étais de passage, mais là j'y reste. Merci. On va essayer de faire vivre les alumni. On est déjà membre, on est déjà alumni. On va essayer de vivre l'association des alumni, président. Donc, c'est vous dire que le groupe 4 est à votre disposition pour faire en sorte que tous les objectifs des alumni puissent être atteints. Merci beaucoup. Merci à tous les formateurs. Merci à tous les condisciples qui sont aujourd'hui des frères et sœurs. Parce qu'une relation fraternelle et filiale s'est créée. Il y a même des Patrick Bédier, des Sekongo, comment dirais-je, Karim Bédier, voilà, des Karim qui s'appellent Sanogo, mais qui s'appellent maintenant Bédier. Il y a eu des Amadou qui étaient Bamba, qui s'appellent Amadou Koné maintenant, et ainsi de suite. Donc c'est dire que les uns ont pris leurs petits comme leurs enfants, et d'autres ont pris leurs amis comme leurs frères. Et c'est cet esprit de fraternité là aussi que je voudrais signaler au passage pour dire encore franchement, Guillaume, tu es un frère, tu as été un gars bien. Et je voudrais qu'on fasse un standing ovation pour Guillaume. S'il vous plaît, un standing ovation pour Guillaume. Un ami, un parent pour nous, quoi. Et franchement, et c'est très très important, il fallait le dire. Voilà, ce n'est pas pour lui lancer des propos dithyrambiques, mais c'est des propos réels et vrais. Merci beaucoup. Merci. J'espère n'avoir pas été long. J'ai essayé de globaliser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je suis donc Sidibé Mamadou. Je voudrais parler au nom de l'équipe 2, dont je voudrais saluer la dynamique présidente, Madame Koulibaly Zina, épouse Tela, et Monsieur le ministre Bleu l'aîné, cher papa et madame, Monsieur le maire de Cocody, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités, chers alumni, chers parents et amis, je suis heureux de prendre la parole ce matin afin de témoigner des impacts que peut avoir sur une personne un programme comme celui de l'AMP. Mais je voudrais d'abord relever que l'Advanced Management Program de MDE Business School est un exécutif programme de classe mondiale. Et ça, je me sens légitime de le dire pour avoir tourné ma bosse un peu partout pour des études. Et cela, je peux le dire pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau des formateurs, ceux-ci sont pour la plupart des alumni des meilleures business schools du monde, telles que Harvard, ISE Business School Barcelone et HEC Paris. Ensuite, au niveau de l'ordonnancement et du contenu des thématiques abordées,
une certaine cohérence se dégage, facilitant ainsi l'apprentissage à des personnes d'un certain âge. S'agissant de l'impact du programme sur ma personne et ma société, je voudrais dire ceci. Parfois, dans notre évolution professionnelle, nous pouvons hériter de plusieurs situations d'injustice qu'il nous revient de gérer. Afin d'être efficace dans le règlement de ces conflits, les recettes du cours d'éthique sont très utiles. Des injustices qui peuvent se situer au niveau salarial ou bien au niveau des positions hiérarchiques indues. Mais grâce aux recettes que Martin nous a données, il nous est aisé de gérer pareille situation. Le cours d'éthique permet également de savoir, par exemple, que pour mieux faire respecter une consigne par des collaborateurs, il peut s'avérer nécessaire de la morceler. Le cours d'éthique nous apprend également que la responsabilité d'une autorité induit nécessairement une vraie cohérence entre ses actes et ses dires, parce qu'on obéit à une autorité que lorsqu'on la respecte. Chez moi, dans ma société, désormais, chaque set de service est tenu au strict respect des codes de bonne conduite au sein de l'entreprise, de sorte à donner de bons exemples aux différents collaborateurs. Dans l'exercice de mes fonctions antérieures et actuelles, je pratique des négociations à longueur de journée, et c'est le deuxième point de mon intervention, la deuxième thématique à laquelle je m'intéresse. Et souvent, ces négociations ont pour finalité de conclure des accords commerciaux. Dans ces conditions, disposer d'outils permettant de mieux structurer sa pensée peut s'avérer fort utile. Par exemple, j'ai appris, et je crois que c'est le cas de mes amis ici présents, qu'un processus de négociation comprend 4 étapes, dont celle de la préparation qui permet de déterminer la ZOPA, la zone d'accord possible, ou la BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, c'est-à-dire les meilleures alternatives acceptables au cours d'une négociation. Ces outils dispensés au cours des négociations me permettent d'être plus pertinent, mais surtout d'obtenir des résultats plus profitables au cours de mes différentes négociations. Et je voudrais relever sur ce point que dans mes fonctions antérieures, j'ai participé à des négociations, quelquefois au haut niveau. Alors, le constat qui se dégage, c'est que bon nombre de dirigeants de nos pays négocient sans se baser sur des bases scientifiques. C'est donc le lieu de leur lancer cet appel et de leur demander de participer au programme exécutif de MDE qui leur donnera les outils nécessaires pour mener des négociations de façon profitable parce qu'ils tiennent dans leurs mains la vie de plusieurs millions de personnes. Alors, enfin, pour des personnes comme moi, avec un background purement technique et scientifique, les différents cours de finances opérationnelles, de management ou de comptabilité, dispensés de façon magistrale par les différents formateurs, permettent d'être plus à l'aise avec les chiffres. Désormais, je puis faire la différence entre le bilan d'une entreprise, le compte de résultat, le compte d'exploitation ou les états de flux de trésorerie. Cette compétence me permet désormais d'apprécier au mieux les performances de ma société. Je ne voudrais pas être long, je voudrais m'arrêter là et en remerciant tous les alumni de la promotion AMP 2022,
pour la délicatesse de leurs sentiments à mon endroit. Et je voudrais remercier également les alumni des promotions précédentes. Je vous remercie. Ça doit être un peu difficile pour moi, je parle le dernier, parce qu'ils ont dit tout ce que je voulais dire. C'était un piège, on me dit, bah, tu parles le dernier, bon. Voilà, donc je vais essayer. Je n'ai pas écrit, donc si je ne respecte pas le protocole, je voudrais vous demander pardon. Alors, j'ai reconnu quand même, il y a monsieur le maire, monsieur le ministre, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, je vous salue. Bien, alors, comme ils ont dit tout ce que j'avais envie de dire, c'est vrai, je vais dénoncer Kader. J'ai dit, Kader, tu as été très long et tu ne nous as pas laissé le temps. Il dit non, il a dit mon discours. Donc voilà, on ne s'est pas concerté. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire parce que quand je suis venu à MDE pour la première fois pour faire l'entretien pour l'inscription, on m'a posé la question de savoir pourquoi tu es venu à M2. J'ai dit, écoutez, si ce programme est conçu pour être dans un amphithéâtre, regarder un prof qui va nous dispenser un cours magistral pendant des heures, ça ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que tu veux alors? J'ai dit, je veux qu'on me raconte des histoires. Alors, on m'a raconté des histoires pendant 9 mois. Je suis bien servi. Mais, rassurez-vous, c'est des histoires qui méritent d'être racontées et d'être écoutées. Parce que c'est des histoires des hommes avant tout. Pas uniquement des histoires d'entreprises et de chiffres. Pour que vous puissiez comprendre quel est l'impact que ce programme a pu avoir sur moi, je veux vous expliquer un peu la situation dans laquelle je me trouvais au moment où je m'inscrivais dans ce programme. Il y a 9 mois, donc juste au début, l'entreprise que je dirige venait d'achever un plan de développement triennal. Nous avions eu le temps de faire un diagnostic complet et nous étions en train de préparer un nouveau plan de 3 ans. Et donc, il fallait définir une stratégie, savoir comment implémenter cette stratégie et faire en sorte que cette stratégie soit exécutée et que le résultat soit intéressant pour l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, les partenaires et les collaborateurs, et les assurés, parce que je dirige une compagnie d'assurance, pour ne pas le dire. Mais au même moment, c'est une pure coïncidence, je venais de terminer la lecture d'un livre qui m'a beaucoup marqué, qui n'a rien à voir avec les assurances. C'est l'art de commandement dans la marine, écrit par un officier qui s'appelle François Méret. Et dans ce livre, il arrive à se poser la question de savoir quel est donc le type de dirigeant qu'il suit. Il se pose la question, est-ce qu'il est un bon patron? Est-ce qu'il est un bon dirigeant? Alors, il termine en disant que il va faire une métaphore, il va faire une analogie avec la grammaire de la langue française en disant que pour lui, il y a 4 types de dirigeants. Il y a l'indicatif, l'impératif, le conditionnel
et le subjonctif. Jusqu'à maintenant, je ne vous apprends rien, parce que vous l'avez appris. Mais il dit, l'indicatif agit, l'impératif commande, le conditionnaire prépare l'avenir et le subjonctif explique. Voilà la situation dans laquelle j'étais en venant à M2E. Vous l'avez deviné, j'étais en train de me poser la question moi-même de savoir quel type de dirigeant je suis. Ou plutôt, que dois-je faire pour être un meilleur dirigeant? Parce que dans l'exercice de mes fonctions, je dois agir, je dois piloter, je dois diriger, je dois communiquer et je dois m'assurer de la bonne exécution de la stratégie définie dans les meilleures conditions. Alors, vous avez compris, comme l'officier de marine, je me dis, quelle est ma grammaire? Quelle est ma grammaire? C'est à ce moment que je voudrais vous inviter à suivre un peu quelques éléments que nous avons appris dans ce programme riche. Il y a eu beaucoup de choses, mais ce que je vais vous dire, c'est exactement ce qui résonne à moi et qui résonnera longtemps à moi. Premier élément. Dans la construction de la stratégie, on nous apprend qu'il serait mieux de se concentrer beaucoup plus sur le client que sur le concurrent. D'avoir la passion de l'excellence opérationnelle, de l'innovation et de l'engagement. On nous a appris, et c'est encore quelque chose qui résonne en moi, qu'une entreprise est souvent comme une balle qu'on lance sur une colline, sous la pression du marché, de la concurrence et du stress interne. Cette balle a besoin d'une force de freinage pour ne pas qu'elle retombe. Et cette force de freinage, c'est l'infrastructure du management interne. Voilà des éléments qui m'ont poussé à revisiter la stratégie de l'entreprise que nous étions en train d'élaborer. Alors, je vais m'arrêter ici pour l'histoire des mots, sinon je risque de vous ennuyer, parce que j'ai d'autres mots. Je vois mes coéquipiers me regardent. Vous vous reconnaissez dans nos débats. Alors, je veux vous donner juste une relation simple qu'on nous a montrée. Ce n'est pas, vous connaissez la relation, mais c'est la puissance de la relation que je voudrais partager avec vous. Nous avons appris, nous avons partagé, nous avons discuté, nous avons échangé sur une relation puissante qui dit que le résultat que vous devez avoir ou bien que vous espérez avoir après avoir défini une stratégie égale à la stratégie multipliée par l'acceptance, multipliée par l'exécution. Jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est simple. La bonne nouvelle, c'est que si tous les trois paramètres sont bons, vous êtes bon. La mauvaise nouvelle, puisque c'est une multiplication, il n'y a pas de compensation possible. C'est que vous ne pouvez pas avoir une mauvaise stratégie, l'exécuter très bien, même si vos collaborateurs l'acceptent, espérer avoir un bon résultat. Ça m'a beaucoup inspiré parce que nous étions en train d'exécuter une stratégie que nous avons définie dans la compagnie d'assurance que je dirige. Je veux vous donner juste un exemple pour l'illustration. C'est que nous avons
nous nous sommes donné comme objectif d'améliorer la cadence des paiements des sinistres. Lorsque nous avons fait le diagnostic, nous avons constaté que l'un des éléments qui retarde les paiements était dû à une mauvaise performance de notre système d'information. C'est-à-dire le traitement des données n'était pas suffisamment rapide. On s'est concentré sur le traitement des données, on a changé le système d'information, mais nous avions oublié une chose. C'est que la plupart des sinistres étaient déclarés par courrier et nous avons oublié que c'est lui qui est à la porte, qui recevait le courrier. Il pouvait retarder le paiement des sinistres s'il ne regarde pas exactement à qui devrait être adressé le courrier, à faire en sorte que ça soit rapide. Alors là, c'est la puissance de l'acceptance. Quand on a réuni tout le monde, on a fait comprendre à ce collaborateur que ton rôle, ce n'est pas de recevoir le courrier et faire en sorte que celui qui dépose le courrier a reçu l'accusé de réception. Et les gestionnaires sinistres, votre rôle, ce n'est pas de dire que j'ai traité le dossier et j'ai répondu au client. Et les comptables, votre rôle, ce n'est pas de dire que j'ai reçu le règlement et j'ai signé et j'attends le paiement. Nous tous, notre rôle, c'est de faire en sorte que le client soit payé et qu'il soit content. Et croyez-moi, la puissance de l'acceptance est formidable. Parce que, je vous le dis, depuis le mois de mai 2022, je n'ai reçu aucune plainte et aucune relance. Et donc, voilà, je ne vais pas faire comme Kader, je vais m'arrêter ici. Mais avant de terminer, permettez-moi de remercier ma famille qui est dans la salle. Merci beaucoup. Je suis là parce que vous m'avez soutenu. Mes coéquipiers aussi. Ephrasie, Annelise, Luc, Kanegi, Brahim, Patrice, Kemoko. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour, je suis Kadi Cissé, je suis à plus de 6000 km là, mais mon cœur est avec vous en ce jour de graduation au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Je ne pouvais pas ne pas témoigner tant AMP m'a beaucoup apporté, il y a tant à dire, mais je vais relater une expérience autour de... ce que moi j'estime être fondamental dans ce programme, l'aide à la prise de décision. Avant, j'ai compté beaucoup, essentiellement sur mon intuition, après analyse de quelques données pour prendre des décisions. Je suis quelqu'un d'assez spontané, aimant prendre des risques. Ça m'a souvent réussi, bien sûr, mais je dois reconnaître, si je suis honnête avec moi-même, que j'ai commis pas mal d'erreurs, souvent très douloureuses. La formation AMP à 90% nous apprend, en fait, comment les entreprises les plus prospères au monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, en Bidjan, ont traversé leur zone de turbulence, ont relevé les défis de croissance et comment ils ont pu s'en sortir. Et même on étudie ceux qui ont fait des erreurs. On a appris de Nestlé, Netflix, Amazon, Google, Jumbo, ailleurs, etc. En fait,
on se rend compte qu'il faut une méthodologie pour aborder la prise de décision pour chaque situation. Ça s'apprend. Le chic avec M2, en fait, c'est que la pédagogie de la formation fait que vous intégrez en même temps la démarche. C'est assez magique, en fait, je trouve. On se rend compte qu'on a changé, qu'on ne réfléchit plus de la même façon. En fait, on est riche des recettes, des meilleures pratiques au monde, avec des professeurs, mais vraiment extra. Maintenant, ce que je constate, c'est que naturellement, je ne fais plus confiance à ma seule intuition. Je cherche d'abord des alternatives. J'essaie de faire des calculs de probabilité de ces alternatives et estimer le résultat que j'aurai avec chacune d'elles. C'est ce qu'on a appris à M2. Le dernier dossier que j'ai traité ainsi, c'était dans le cadre du lancement d'un nouveau produit que j'avais dans mon entreprise. Quand j'ai fini le business plan, j'ai constaté que le besoin de financement allait être énorme. Mais je l'ai présenté quand même à mes associés et bof, le dossier est resté là. Personne n'a considéré parce que le besoin de financement était quand même important et pour une jeune entreprise, on n'avait pas tellement de solutions. Mais avec M2, là, maintenant, j'ai pu réveiller le dossier parce que j'ai commencé à regarder différentes alternatives. C'est ainsi que j'ai envisagé 4 options possibles. Option 1, financement interne avec un lancement de moins d'envergure qui allait dégrader en fait mon produit, mais surtout mes résultats, ce que je n'aimais pas beaucoup. Solliciter un crédit bancaire. Bon, pour une entreprise qui a moins de 3 ans, la banque n'est pas la mieux indiquée, donc probabilité très faible. Créer une nouvelle entreprise avec de nouveaux partenaires financiers avec un exit prévu dès le départ, mode start-up, et faire entrer un nouvel actionnaire dans le capital de l'entreprise. L'option 3, c'est-à-dire donc la création d'une nouvelle start-up, présentait les meilleurs résultats de loin avec une forte probabilité. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette option 3 m'a également été inspirée par le module entrepreneurial du programme AMP. Vous voyez donc que le dossier est revenu sur la table avec de meilleures perspectives cette fois-ci et l'entrée d'un partenaire qui va même nous permettre d'aller plus loin et plus rapidement. Merci à M2, à son équipe de stresseurs et stresseuses, à tous les enseignants et la direction, bien sûr, à Abidjan et à Barcelone. Merci enfin à mes condisciples, ma famille. Je vous fais coucou. À bientôt à Abidjan. Cérémonie de graduation, ça nous donne le niveau, pour ne pas répéter ce que M. Baousmane a dit, le niveau d'acceptance du programme. Qu'est-ce que j'en retire? Avec quoi je rentre chez moi? Merci à tous d'avoir témoigné. Je vous prie de bien vouloir rejoindre vos places sous les applaudissements du public. Alors, ce qu'on va faire, vous allez attendre votre présidente de programme va tout à l'heure venir faire son discours, puisque vous êtes tous les chefs de groupe. Mais avant ça, je voudrais présenter quelques directeurs généraux. Je ne sais pas si je pourrais le faire pour tout le monde. On a beaucoup de DG qui sont là. Mais comme la cérémonie de graduation, c'est en même temps une période de recrutement, j'ai vu beaucoup de DG qui n'ont pas encore fait l'AMP. On va leur rendre un petit hommage. J'espère qu'au sortir d'ici, ils vont s'inscrire au programme AMP. Est-ce que M. Camboussier est encore dans la salle? Il est le DG de Media Lab. Nous allons l'ovationner. M. Christian L. Akar est DG de Force Cooling. Il est là, nous allons l'ovationner. Taou Jean-Luc, DG de Sol Prod.
Merci Madame Bosson Lucrèce, DG de Challenge Service. Voilà, nous allons l'applaudir. Monsieur Assi Patrick est DG de Logis Service. Récemment prix d'excellence. Nous allons l'ovationner. Monsieur Sanga, le DG de l'entreprise Sandé. Il est là. Merci d'être venu. Da Ludovic, DG de Econam Engineering. Ok, merci. Touré Ibrahim, PDG de Ivoire GPL. Et puis enfin, Stéphane Goukou, DG de Sanofi Afrique subsaharienne. Merci d'être venu. Ils ont reçu leur graduation. Ils ont témoigné de ce que le programme leur a apporté. Ajami leur a donné le conseil qu'il fallait en tant que président des alumni. Et il a très bien reçu la promesse de Kader de se mettre à la disposition des alumni. Et maintenant, nous allons écouter la présidente de cette promotion très spéciale. Alors, la présidente va parler au moment où toute la promo sera sur l'estrade. La présidente. Donc, je voudrais demander à tous les AMP 2022 de bien ajuster leur écharpe, parce que juste après, nous allons avoir la photo de famille. Nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette cérémonie. Donc, veuillez voilà, monter sur le podium, ajuster correctement vos écharpes, positionnez-vous sur l'estrade pour la photo de famille, et puis ensuite, la présidente Caroline Bamba va s'adresser à vous et à l'auditoire et vous rejoindre sur les estrades pour la photo officielle de la promotion AMP 2022. De remercier nos officiels VIP qui sont encore là. Je salue Monsieur le maire, son excellence. Je salue Monsieur le ministre et Madame Gilbert Bleulené. Je salue. Ah, d'accord. La sœur jumelle de Madame Bleulené. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Elle a. Oui, elle est. Ah oui, formidable. Secrétaire général du lycée Nagui Aboukoua. Formidable. Est-ce que tous les diplômés sont en place? En bonne et due place? Ok. Je voudrais appeler donc la présidente sous les ovations de sa promotion. Caroline Bamba, présidente de la promotion AMP 2022 sous vos actions. Elle va s'adresser à vous et puis ensuite rejoindre la promotion pour la photo. Mesdames et messieurs, honorables invités, on vous rend grâce et qualité. Chers alumni, chers parents et amis, bonjour. Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence si nombreuse pour célébrer le moment où nous recevons nos parchemins. Ce diplôme atteste notre succès et couronne notre participation à l'Advanced Management Programme. Un programme de grande qualité destiné aux dirigeants d'entreprise. Au moment où cette formation s'achève, un mot me vient à l'esprit. Gratitude. Gratitude tout d'abord envers le corps professoral et managérial de la MDE Business School pour la passion avec laquelle vous transmettez le savoir et surtout
le ton humain que vous avez distillé tout au long de cette formation. Certes, on peut toujours tout apprendre dans une bibliothèque ou bien derrière un ordinateur, mais avoir la chance d'avoir des professeurs bienveillants, c'est encore mieux et plus efficace. Je vous prie de bien vouloir applaudir ces hommes et ces femmes qui sont la cheville ouvrière de cette école. Gratitude ensuite à mon tendre et cher époux, à ma fille, mes frères et sœurs, pour leur soutien sans faille. Qu'il me soit maintenant permis de m'adresser à vous, mes amis de la promotion, les magnifiques. En venant à ce programme, nous souhaitions réactualiser nos connaissances techniques et managériales, acquérir de nouvelles façons de comprendre le monde des affaires. Mais nous ne nous imaginions pas que cette formation allait à tout jamais nous changer nous-mêmes. Nous avons su créer une franche camaraderie et gagner l'admiration des uns et des autres. Si chaque homme et femme est la somme des expériences qu'il ou qu'elle a vécues, alors, sans aucun doute, nous sommes tous sortis meilleurs après ces quelques mois. Notre discipline, notre bonne humeur et cette émulation que nous avons su maintenir pendant ces derniers mois ont fait de nous la promotion des magnifiques. Nous avons choisi de nous appeler les magnifiques car nous sommes fiers, organisés, respectueux, tolérants et talentueux tout en restant solidaires. AMP 2022, c'est fort. Je vous remercie. Alors nous avançons allègrement vers la fin. Nous allons faire quelques souvenirs. Je voudrais saluer la présence de M. Joseph Koury. Il est le président de la Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. Je vous demande de l'ovationner, s'il vous plaît. Alors voici les photos que nous allons faire sur ce podium pour marquer la fin de la cérémonie. Tout à l'heure, nous allons avoir la photo officielle de la promotion. Et puis ensuite, ils seront rejoints par le corps des officiels académiques. Ce sera la deuxième photo. Et puis, les officiels qui sont restés jusque-là, nos VIP à qui nous rendons hommage, vont les rejoindre. Et ce sera la troisième photo officielle. Et puis plus tard, les photos vont continuer au cocktail, parce qu'il y a les familles qui sont là, il y a des amis, il y a des collègues, il y a tout le monde. Donc voici ce qui va se passer. Je voudrais demander aux techniciens d'enlever donc cette estrade rapidement, ce pupitre, et puis nous allons avoir la photo officielle de la voilà. La moto n'y est pas malade. Le double va pas du temps. Voici un boussa, mi 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 tombe. Bien à vous, tout le monde est bon. Bien la bongo, wenge, bien pour les malignes. Longue l'aide ni gamme. Pour m'imiter, il y a pas de mounienge. Pour les yavis, son bengue, y a du longue. L'officiel terminé dans une seconde. Sourire s'il vous plaît. Merci, je vais demander au corps académique de les rejoindre. Les officiels.
académique, directeur de programme, directeur scientifique, directeur pédagogique, chargé de communication, directeur général, président des alumni, directeur général adjoint pour directeur du programme AMB, et puis le président qui monte comme un président. Merci. Je voudrais. Merci. Merci, je voudrais demander à nos officiels VIP, Son Excellence, Monsieur le Maire, Son Excellence, Monsieur le Ministre Gilbert Bleu-Lenné, et Madame Bis. La jumelle de Madame est là, elle va nous faire l'honneur de monter sur le podium. Est-ce que Monsieur le Président de la Chambre de commerce libanaise n'est pas trop éloigné? Est-ce qu'il peut nous rejoindre sur le podium également? Merci, nous avons pratiquement fini. Je vais vous donner l'heure de sortie. Je vais laisser nos VIP rejoindre leur place. Laisser nos académiques rejoindre leur place. Et les premiers à sortir de la place, de la salle, ce sont nos diplômés AMP. Sous vos ovations, nous allons laisser nos diplômés AMP. Les photos avec les AMP vont se poursuivre au cocktail, avec les familles et tout ça. Les fabuleux qui sont dans la salle vont rejoindre les magnifiques rapidement pour une dernière photo. Et puis nous allons aller au cocktail. Alors, Samy, je te cherche depuis, Rapidement, les fabuleux rejoignent les magnifiques. 5 secondes pour cette dernière photo. Les AMP restent en place et tous les autres rejoignent leur siège. Et l'ordre de sortie de la salle est le suivant.
diplômés AMP 2022 sont les premiers à sortir, donc je voudrais les inviter. Monsieur le directeur du programme, Guillaume Fandjinou, je voudrais inviter nos AMP 2022 à prendre la direction de la salle du cocktail. C'est pas fini, je voudrais demander à tous ceux qui sont restés jusqu'à présent de bien vouloir reprendre leur place. Tout est fini dans 5 secondes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que nos nouveaux diplômés peuvent rejoindre leur place? Je vais donner l'ordre de sortie. Bon. Donc prenez place, on va se lever pour commencer à partir. Prenez place. Voici l'ordre de sortie. En premier, nos nouveaux diplômés AMP, donc je vais leur demander de se lever et de prendre la direction du cocktail sous vos ovations. Voilà, AMP, allez, ils vont aller nous attendre à la salle de cocktail pour nous accueillir tous. Oh,
système. Ça change pas. Chanty avec les douanes. Est-ce que ça marche? On fait du ghetto pour aller plus loin. Avec les magiciens, ça fait du bon. On fait du ghetto pour aller plus loin. Avec les magiciens, Jerusalema, ikayami, ilo no lo